Salut tout le monde. Euh, bah, bonjour déjà petit cam. Salut 13 bis. Coucou. J'espère que vous m'entendez. Normalement ça, vous devriez m'entendre. Ça fait grave plaisir de vous voir au rendez-vous comme d'hab. Euh, merci beaucoup. Pour une fois je suis à l'heure dans l'histoire. <laughs> Super. Je vais voir. Ça va être un live trop intéressant. Salut Jellybee. C'est toi ouais. En fait ça s'affiche pas très bien sur mon écran. Salut ouais. Très bon niveau de son. Parfait. Aujourd'hui on va lire un article qui a été publié sur Bastamag qui s'appelle race racisme. Racisé, privilège blanc, indigéniste, comprendre ce qui se cache derrière les mots. Waouh, 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 ça fait peur. Salut, des échos, des choses pareilles. Bienvenue à toi. Alors, en tout cas, ça fait grave plaisir de vous voir ici. Moi, je suis hyper content de faire ce live parce que ça fait un moment que je réfléchissais à comment faire un truc sur, sur voilà, les définitions et les mots qu'on entend revenir dans notre espace médiatique euh, en ce moment, beaucoup, parce qu'il y a tout le truc avec islamo-gauchisme, etc. Et j'ai trouvé que cet article de... Donc, euh, paru sur Bastamag était vraiment euh, hyper, euh, hyper bien amené, euh, suffisamment précis et facile à lire pour qu'on puisse euh, s'attarder dessus pendant quelques temps. Salut contre -faurie. bonsoir. Alors j'attends un peu que vous arriviez avant de le lancer. Et euh, pour les personnes qui regardent le replay, je dirai aussi des trucs après. Alors, tac, et je mets toutes mes, toutes mes fenêtres au bon endroit. Comme ça je ne me perds pas. Hop, parfait. Voilà. Et du coup, ouais, salut tout le monde, salut tout le monde. Bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous. Euh, je pense que ça va être passionnant. Et donc euh, déjà, je peux vous dire un truc. Euh, C'est que bah, merci 13bis d'être présent et super modérateur. Et je vous conseille d'aller voir d'ailleurs ce que fait 13bis sur son compte Twitch. Puisqu'il fait des lives tous les jeudis et si je ne me trompe pas, aussi les dimanches, je ne sais plus exactement, tu peux nous, nous le préciser, 13 bis. En tout cas, tous les jeudis soir euh, avec Nibler. Euh, et ils font ensemble euh, des, des recherches sur Wikipédia pour établir une frise chronologique des femmes artistes. Euh, et du coup, euh, tous les replays sont aussi. Donc jeudi, c'est chronologie des femmes artistes, c'est ça. Et euh, je ne sais plus, c'est qu'à la deuxième date. En tout cas, je vous conseille d'aller voir. Euh, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et aussi à tous ses replays qui sont disponibles sur YouTube. Et, euh, et voilà, donc si vous ratez les jeudis soirs, vous pouvez toujours regarder les replays et vous apprenez plein de choses par rapport aux femmes artistes et euh, le fait qu'on ne connaisse justement pas beaucoup l'histoire des femmes artistes finalement. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est donc race, racisme, racisé, privilège blanc, indigéniste, comprendre ce qui se cache derrière les mots. Euh, c'est une interview de Sarah Mazouz. Rédigé par Ivan Duroy, et qui est publié sur Bastamag. Et alors, je pense qu'on va commencer assez vite, comme ça on perd pas trop de temps. Je bois un petit coup d'eau. Je me suis pris des petites notes et tout. J'ai mis ma super chemise. Salut, Darkfire G33. Bienvenue. Salut, Gabruyan. Bienvenue aussi. Et donc je change d'écran. De... Alors attendez, je prépare mon deuxième écran quand même. Hop. Tac. 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 Ah ouais. Alors, pour commencer, je vais vous montrer euh, du coup, comme d'habitude, mon tableau de sources. Donc euh, c'est mon Trello. Si vous voulez trouver les sources dont je parle, euh, vous savez qu'à faire point d'exclamation source. Et vous allez voir que le super bot qui s'appelle WiseBot va bah, vous donner le lien sur lequel vous pourrez lire toutes les sources que je vais. Euh, Pardon, évoqué, voilà, comme 13bis vient de le faire, sources, et puis vous avez toutes les sources qui apparaissent dans le chat. Vous voyez qu'on a une grosse liste de, de sources que j'ai mises sur le côté là. Ça fait beaucoup de liens à ouvrir, Et vous allez voir, ça va être passionnant. Et donc tous ces liens sont répertoriés sur mon trello. Quand vous arrivez sur le trello, il y a une vignette ici. Vous cliquez dessus, et là je les ai mis en forme cette fois-ci. Et donc vous avez toutes les, tous les liens qui vont apparaître ici. Et là, vous avez des pièces jointes avec quelques articles et des PDF. Et donc, quand vous cliquez sur euh, « Montrer la description », là, vous voyez vraiment tous les, tous les liens que je vais citer. Voilà, ça, c'est pour vous expliquer un peu. Alors, Christina Vango salue son petit livre « Race » et « Grave pratique pour s'introduire sur la théorie critique de la race ». Je recommande à tout le monde, ça se lit hyper vite en plus. Super. Bon, on va en parler, justement, un tout petit peu. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais, euh, mais on va en parler un tout petit peu juste après. Voilà l'article, Soit à quoi il ressemble. Donc publié sur Basta Mag, et je fais un petit zoom pour que vous puissiez voir correctement. Hop, voilà. Basta, radicalement indépendant. Et là, on a le titre avec une couverture qui montre un petit peu la, la dernière vague, la plus récente euh, du mouvement Black Lives Matter euh, en France, avec la Tour Eiffel qui est euh, voilà, bien visible à l'arrière. Euh, copyright Pedro Brito da Fonseca. Et je vous montre un petit peu juste le, la plateforme, enfin Basta, euh, qui est donc un magazine indépendant plutôt de, de gauche, euh, c'est assez clair, euh, et voilà, qui travaille sur différentes... Il euh, y a différents trucs, voilà, décrypter, résister, inventer, débattre, chronique, dossier, qui sommes-nous Vous avez un peu l'esprit, donc, indépendance médiatique et, euh, et sujet plutôt engagé, sachant qu'apparemment, ça existe en, en anglais, en espagnol et en italien, et vous avez des sujets comme là, voilà, Fukushima, donc on voit les, les, les dégâts de la radioactivité suite à l'accident, euh, plus de dix ans après euh, l'accident de Fukushima, la catastrophe de Fukushima, on pourrait dire. Il y a beaucoup de sujets autour de, de l'écologie sur Bastamag. Donc, euh, voilà. Alors, salut, Saka, Saka46. Euh, bonjour à toutes. Premier live pour moi. Hâte d'écouter ce sujet que je ne connais que trop peu. Bah, super. Bienvenue parmi nous. Euh, tu vas voir, je pense que tu vas apprendre des trucs. Moi, j'ai appris plein de choses en préparant, en tout cas, le live. Euh, Résident des pattes. Voilà, ça, c'est un peu pour vous donner euh, l'ambiance du site Bastamag. Et donc sur ce site a été publié le 5 mars 2021 une interview donc de Sarah Mazouz. Je vous lis juste le, tout, le petit chapeau là pour l'instant. Euh, dans un contexte politique tendu jusqu'à l'absurde par les crispations identitaires et les obscures accusations d'islamo-gauchisme entre guillemets, il est plus que nécessaire de redonner un sens précis à des concepts souvent mal employés. Entretien éclairant avec la sociologue Sarah Mazouz. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est se renseigner sur qui est Sarah Mazouz, parce que je pense que c'est le plus important avant de commencer. Hop là, je réorganise mes onglets. Voilà. Sarah Mazouz, donc là je vous ai ouvert. En fait, j'ai été faire une recherche sur Google et je vous ai simplifié le truc en cliquant directement. Mais si. Bon, je vais le faire comme ça, on le voit tout de suite. Si on tape Sarah Mazouz sur Google, on arrive. Voilà, premier lien, c'est euh, Université de Lille. Et donc on arrive sur cette, euh, sur cette fiche qui présente Sarah Mazouz chargée de recherche EPST en sociologie au CNRS, à la section 36. Donc le CNRS, c'est le Centre national de recherche, euh, je ne sais plus c'est quoi le S, la recherche supérieure, je ne sais plus exactement. Euh, en tout cas, c'est le, le grand institut euh, scientifique français dans lequel recherche scientifique, je pense à la scientifique, voilà, exactement. Merci. Merci euh, Inès. Pour ta, ta vigilance. Euh, et donc, euh, je vous lis un peu le, la description de Sarah Mazouz en faisant un petit zoom, encore une fois, pour que vous puissiez bien lire, vous aussi. Docteur en sociologie depuis 2010, Sarah Mazouz est chargée de recherche au CNRS. Elle a été auparavant, elle a été auparavant Marie Curie Fellow à l'Université Humboldt de Berlin et post-doctorante au sein des programmes de l'ANR Global Race. Et de l'ERC Morals Toward a Critical Moral Anthropology. Ses travaux portent sur l'antidiscrimination en France, les dispositifs publics d'insertion professionnelle à l'attention des jeunes issus de classes populaires et racisées, et les politiques de nationalité en France et en Allemagne. Ils se fondent sur une méthode ethnographique et mobilisent les Critical Race Studies, la sociologie du droit, la sociologie des politiques publiques. Et l'anthropologie critique de la morale. Ça fait des trucs bien compliqués dans la description, mais vous allez voir dans l'article, ça va être beaucoup plus clair et facile à lire. Salut, Fit Like Africa. Ça fait plaisir de te voir encore à, sur un live, c'est cool. Elle est l'autrice de La République et ses autres, politique de l'altérité dans la France des années 2000, Lyon, ENS édition, publiée donc en 2017, et de Race, qui a été publiée à Paris par la maison d'édition Anamosa, en 2020. Elle a coordonné avec Véronique Bontemps et Shora Makaremi l'ouvrage Entre accueil et rejet, Ce que les villes font aux migrants, qui était publié à Paris aux éditions Le Passager Clandestin en 2018, et elle a participé à deux ouvrages en collaboration, l'un qui s'appelle Juger, réprimer, accompagner, essai sur la morale de l'État, publié au seuil en 2013, et At the Earth of State, the moral world of institutions. Publié aux éditions Plutôt Presse en 2015. Parmi ses autres publications figurent des articles parus dans la revue française de sociologie, Genèse des sciences, Genèse sciences sociales et histoire, Droit et société, Politics, raisons politiques, ainsi que French Politics, Culture and Society. Bon voilà, c'est un, c'est un truc assez global et un peu indigeste là comme ça comme définition si vous connaissez pas tout ce vocabulaire. Mais, euh, mais vous allez voir, euh, ça, on va éclaircir tout ça tout au long de ce live. Alors, j'ai pas vu les gens. Salut AK94, ça fait plaisir aussi de te voir ici. Donc, Sarah Mazouz, c'est donc elle. Et euh, je vais ouvrir un autre onglet que j'avais déjà préparé sur le site Hypothèse pour vous montrer la thèse qu'elle a, qu a rédigée. Donc, c'est grâce à cette thèse, parce qu'on l'a vu ici, elle est donc docteur en sociologie depuis 2010. Et c'est autour de cette thèse qu'elle l'a publiée, euh, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle La République et ses autres, politique de l'altérité dans la France des années 2000. Voilà, et donc elle a, elle a ensuite publié cette thèse qui, avait, qui était sortie donc à l'ENS, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est les éditions de l'ENS qui l'ont publiée. Euh, salut euh, Clint 49, bonsoir, et bienvenue dans le live. On commence tout juste. Alors, Sarah Mazouz, n'hésitez pas, les autres qui sont connectés, euh, à faire un petit coucou. Je vous montre aussi le, le, le site Anamosa, qui est en fait euh, la maison d'édition qui a publié le livre de Sarah Mazouz intitulé « Race. Donc c'est ce livre-là, qui est un livre assez fin et assez petit, qui coûte pas très cher, 9 euros, que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais acheter, 96 pages, et que comme disait tout à l'heure, qui est-ce qui disait ça tout à l'heure euh, voilà, Christa Vango qui disait que euh, c'est un livre grave pratique et grave facile à lire. Alors, salut, hop, salut Daniel Marigno et salut Jelly B, qui était déjà là tout à l'heure, je crois, non Bon, je continue la lecture. Sarah Mazouz, donc, est sociologue et chargée de recherche au CNRS. Ses travaux, ça, on l'a déjà lu, on l'a déjà compris. Euh, en étudiant les résistances opposées à la mise en œuvre d'une politique publique de lutte contre les discriminations raciales et les pratiques de naturalisation, où s'affirme le plus souvent une conception univoque de l'appartenance à la nation, elle interroge l'économie des relations entre identité, égalité et citoyenneté dans le contexte républicain. Encore une fois, c'est un peu complexe à lire comme ça, mais vous allez voir, on va défricher tout ça et ça va être beaucoup plus simple. Euh, salut Amandine, bienvenue. À toi dans ce live. Et donc pour vous montrer les publications de Sarah Mazouz, vous pouvez en trouver sur Kern Info. Donc Kern c'est un super site qui répertorie euh, plein d'articles donc euh, universitaires hein, qui sont publiés parfois payants comme ce que vous pouvez voir ici, euh, mais parfois aussi gratuits comme ici par exemple. Euh, et si je continue à descendre, celui-ci aussi par exemple. Politique de la délégitimation de la remise en cause de la double nationalité au projet d'extension de la déchéance de nationalité. Voilà, vous pouvez télécharger gratuitement, euh, et qui peut être intéressant. Mais ceux que j'ai repérés, moi, et qui sont intéressants, enfin, qui peuvent être intéressants à lire pour vous, je pense, c'est celui-ci et... Touk, touk, touk. Et voilà, ces deux-là. Donc, il y en a un qui s'appelle « Faire des différences, ce que l'ethnographie nous apprend sur l'articulation des modes pluriels d'assignation » qui a donc été écrit par Sarah Mazouz, qui est entièrement disponible gratuitement donc sur Kern, et que je vous engage à aller, euh, à aller checker si ça vous intéresse. Euh, bon, je pense que ça parle assez dans le, dès le titre. Qu Qu'est-ce euh, qu que... En fait, vous allez voir, il y a différents modes d'assignation plus ou moins racistes. Salut Nibbler, bienvenue. Euh, et... Euh... Et comment euh, l'ethnographie nous, nous parle de ces différents modes d'assignation raciste bon, C'est ce qu'elle nous explique dans cet article. Et ensuite, un autre article qui s'appelle Qu'est-ce que devenir français La naturalisation comme un rite d'institution républicain ». Qui a été publié avec Didier Fassin. Et euh, qui peut être euh, vraiment intéressant. Qui est aussi disponible en anglais, si jamais ça vous intéresse. Qui est bien long. Euh, et, euh, et entièrement disponible aussi gratuitement. Mais on va pas le lire ici parce que c'est vraiment complexe. On va lire des trucs un peu plus simples pour commencer. Moi, je galère quand je lis leurs trucs. À chaque fois, ça me prend des heures, mais c'est intéressant. Voilà. Pour commencer, je vais vous montrer... Alors oui, aussi, je, je, je précise, elle a fait une interview euh, sur la chaîne de Pandof Strokenist. Qui, euh, que voilà que je vous en, que je vous encourage à aller écouter. On voit pas euh, leur visage mais on les entend parler autour non, du non, livre donc, justement race euh, et c'est assez euh, intéressant, ça dure une heure à peu en fait, près à et du coup n'hésitez euh, euh, pas à aller regarder. Sur, euh, Ils sont téléchargeables en YouTube, les articles le sur terne. Non je crois qu'ils sont, qui sont que en PDF. PDF. Euh, mais après tu peux les convertir en icu si tu as race, le, le bon émotion, logiciel euh, et, euh, euh, et euh, voilà et moi ce que je tout ça, sinon toutes les sources ce comme disait Tresbis, euh, je pense que vous tapez point d'exclamation source et vous allez voir les sources travaux et puis, du coup, à développer aussi donc je vous une, une encourage une à aller euh, écouter sur, euh, ça sur la chaîne la de Pandov Stroknis qui avait en plus partagé un peu mon contenu à sa communauté j'en profite pour lui rendre l'appareil et moi ce que je vais vous montrer parce que j'aime bien qu'on sache un peu de qui on parle, et qu'on entende la personne parler elle-même. Donc, je vais vous montrer une interview de Sarah Mazouz sur RCJ. Et après, je vais vous dire ce que c'est RCJ parce que c'est aussi intéressant. Alors, je regarde un peu. Qu'est-ce que vous me dites Je vous conseille pour. aussi sur Twitch en premier lieu. Ah oui, on peut aussi checker Pandov sur Twitch, comme disait 13bis. Et contre Forie, Pandov, un gars sûr. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, je vais vous montrer quelques secondes. Sur l'usage du mot race, déjà, on va commencer sur ça. Et vous me dites si vous entendez bien le son de l'interview. Et nous en parlons, Sarah Mazouz. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, cet ouvrage euh, est dédié à l'usage critique de la notion de race. Qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce que, comment les sciences sociales en tant que telles s'approprient ce mot, avec justement sa cohorte euh, aussi euh, de, de, de de passé d'histoire et de mémoire Et qu'est-ce qu'on cherche en fait à comprendre et à voir en utilisant Oups, je crois que ça a coupé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez, je recharge la, la vidéo. Petit bug. Désolé. On relance. 1 minute 50, désolé. Je, je relance du coup à partir de là où on en était. C'est parce que je crois qu'il était connecté à, ma, à ma, mon enceinte Bluetooth et que j'ai dû le déconnecter. Désolé pour ce contretemps. Je relance. bonjour. Bonjour. Alors, donc, cet ouvrage est dédié à l'usage critique de la notion de race. Qu'est-ce que vous entendez par là -ce que, Comment les sciences sociales, en tant que telles, s'approprient ce mot, avec, justement, sa cohorte aussi de, 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 de passé, d'histoire et de mémoire Et qu'est-ce qu'on cherche, en fait, à comprendre et à voir en utilisant le mot « race » dans les sciences sociales Alors, on utilise le mot « race », et il y a un débat au sein des sciences sociales... Parce que, ça, en effet, c'est un mot qui ne va pas de soi, euh, malgré tout. Mais euh, ça permet de montrer, en fait, de partir du principe que, euh, d'abord, l'expression du racisme n'est pas toujours une expression. Alors, j'ai l'impression que j'ai un problème de son, mais je vais régler ça euh, tout de suite. Je crois que c'est parce que j'ai mal paramétré euh, l'endroit où le son était envoyé. Hop, je fais une petite pause. Normalement, vous m'entendez toujours là, et je pense que vous allez pouvoir entendre aussi ce que dit Sarah Mazouz. Je reprends. Agressive, violente, mais qu'elle est diffuse, et qu'elle est là, que, la, que les sociétés fonctionnent manière à, de manière à produire des formes de hiérarchie, dirons-nous, racialisantes. C'est-à-dire de partir du principe que certains et certaines forment un groupe au nom d'une origine qu'on leur impute, qu'elle soit réelle ou supposée, et qu'au nom de cette origine, on peut les placer à une position inférieure. Euh, et donc, à partir de là, pour décrire ces, ces, ces logiques-là, euh, il, il s'agit d'utiliser le mot race pour montrer comment euh, une société, à un moment donné, dans un contexte donné, produit des différences sur un mode qui reste en fait racial. Donc, voilà un peu pour vous donner euh, une idée de qui est Sarah Mazouz et de la voir euh, en action parler. Donc, elle parle là sur euh, Radio RCJ. Et je trouve ça important aussi à mentionner parce que souvent on a l'impression que quand on parle de questions euh, raciales, il y a souvent euh, aussi le rapport à comment on traite la question anti de l'antisémitisme. Et là, dans cette émission spécifiquement, euh, c'est euh, une émission qui se déroule donc sur RCJ, qui est la radio de la communauté juive, euh, et, qui, euh, et qui justement invite Sarah Mazouz à parler de cette question de racisme, racisé, racialisme et race, etc., euh, dans le contexte de l'antisémitisme. Donc si ça vous intéresse d'approcher cette, euh, cette question-là voilà, au niveau de, de la question de l'antisémitisme et, et des, des liens avec le racisme, etc., et ben, c'est vraiment ce qui est traité dans cette vidéo-là, et je la trouve assez intéressante. Voilà, et donc RCJ euh, Radio Communauté Juive. Et donc, on, on va commencer la lecture, comme ça on a, vous avez vu un petit peu euh, qui était Sarah Mazouz, euh, comment elle s'exprime, etc. Et donc on va commencer. Maintenant à lire à partir des questions de. Euh, merci d'ailleurs pour votre, votre aide pour le son, j'ai un peu galéré. Euh, voilà, merci beaucoup. Basta demande Qu'est-ce qu'une personne raciste Est-ce similaire à suprémaciste Et Sarah Mazouz répond Une personne raciste croit en l'existence de races, c'est-à-dire des groupes qui sont hiérarchisés, certains étant supérieurs à d'autres. Selon les contextes, cette hiérarchie s'opère en fonction de l'origine réelle ou fantasmée de ces groupes, de leur culture et de leur religion. Cela a toujours à voir avec l'altérité et l'infériorité supposée d'une origine ou d'une culture. Au nom de cette infériorité, on produit des races. Donc ça c'est pour la personne raciste qui croit donc en l'existence de races et que certains groupes sont euh, hiérarchisés mais la personne raciste n'est pas forcément dans le groupe supérieur. Elle peut se considérer comme étant dans un groupe inférieur, par exemple, si, en con... enfin, si je comprends bien ce que nous dit ici Sarah euh, Salut, ciao, bello 1, bienvenue, ça fait plaisir de te voir. Euh, le suprématiste, lui, il pense qu'il est membre du groupe qui occupe une position supérieure dans cette hiérarchie. On peut penser, par exemple, au nazisme, avec les Ariens supérieurs au reste de l'humanité, constitués de groupes considérés comme plus ou moins inférieurs. Voilà. Donc, euh, donc, ça il une... y a deux choses différentes. Donc, le suprémaciste, il, con... il est déjà dans une conception raciste du monde, mais en plus, il considère qu'il appartient euh, au groupe dominant euh, et que c'est une domination légitime, puisqu'il est dans cette logique que les races sont hiérarchisées. Alors que la personne raciste de base, dans... en tout cas selon ce que dit Sarah Mazouz ici, euh, croit en l'existence de races euh, hiérarchisées, mais pas nécessairement dans l'un ou l'autre des groupes. C'est juste une croyance euh, plutôt globale, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'ouvrage de Gobineau. Oui, carrément, il y a un lien avec l'ouvrage de Gobineau sur l'inégalité des, des races humaines, mais ça on va en parler euh, un peu après, plus tard dans l'article, vous allez voir. Euh, pour continuer la lecture, je vais passer sur mon, mon petit. Ma, ma page Pocket, ce sera plus facile à lire. Euh, je pense qu'il y aura moins de, de trucs à côté. Et vous pourrez voir plus facilement. Et en plus, j'ai fait des petites notes. Donc euh, c'est top. Voilà. Alors, deuxième question. Question. Euh fatal qu'est ce qu'une personne racisée attention parce que là c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup la question du, du mot racisé qu'est ce que ça veut dire ça fait peur etc le terme racisé il apparaît plus tard dans le cadre de la réflexion sur l'idéologie raciste ce terme n'est pas utilisé par les racistes mais par les chercheurs c'est un terme qui est utilisé par les gens qui font des recherches sur l'idéologie raciste alors, je lis un peu vos commentaires. Intéressant comme nuance, ouais. OK. Merci, euh, merci 13bis, pour euh, les sources. Alors, le, le terme racisé, il a été forgé par Colette Guillaumin, qui a vécu entre 1934 et 2017, donc elle est morte assez récemment, et qui est une sociologue et féministe française avec une formation de philosophe. En étudiant l'idéologie raciste elle a construit la notion de racisation, qui est la façon dont les personnes et des idéologies vont construire et produire comme des races les groupes qu'elles dominent. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase J'essaie de, juste de clarifier au, le plus possible de ce que moi j'ai compris en tout cas. Ça veut dire que en gros les personnes euh, qui, sont, euh, qui sont, on va dire, racistes, donc ça ce sont les personnes que étudie Colette Guillaumin, donc Colette Guillaumin, sociologue, étudie les personnes euh, qui, qui ont une idéologie raciste, des personnes et des idéologies racistes, et qui vont construire et produire comme des races les groupes qu'elles dominent, c'est-à-dire que les groupes euh, dominés par les personnes racistes vont être définis comme des races par les personnes racistes. Je ne sais pas si c'est euh, bien expliqué, j'espère que oui. Par exemple, la manière dont l'antisémitisme européen a construit les juifs comme une race en leur attribuant des traits physiques qui seraient la manifestation de leur infériorité et de leur dépravation morale. Avoir été constitué de cette manière comme un groupe infériorisé, c'est cela être racisé. Donc ça, c'est ce que nous dit euh, Sarah Mazouz à partir des textes de Colette Guillaumin. Et donc vous voyez bien qu'elle parle ici, elle prend l'exemple de l'antisémitisme, et c'est ce dont elle traite aussi dans l'interview que je vous ai montrée sur euh, Radio, radio de, euh, communauté, de la communauté juive. Alors, mais il faut qu'on s'intéresse d'abord à Colette Guillaumin, et moi j'aime bien euh, qu'on soit un peu le, le plus précis possible, en tout cas. Donc on va parler de Colette Guillaumin, qui c'est Parce que vous allez beaucoup entendre son nom revenir en ce moment, plus on va parler de la question de raciser, plus vous allez entendre parler de Colette Guillaumin. Alors, je lis juste, j'ai libéré, racisé induit que l'on subit des structures et idéologies racistes. Ouais, c'est ça, c'est ça l'idée du, du terme. Colette Guillaumin est une sociologue française est une et une militante antiraciste et féministe. C'est très important cette, cette partie-là de son travail. Elle est une théoricienne importante des mécanismes du racisme, du sexisme et des rapports de domination. Elle est aussi une figure importante du féminisme matérialiste. Donc il y a plusieurs types de féminisme dont le féminisme matérialiste, qui est un courant théorique principalement français du féminisme radical, issu de la deuxième vague féministe, et qui s'est caractérisé par l'usage d'outils conceptuels issus du marxisme pour théoriser le patriarcat. Bon, alors là, ça, ça rentre dans des, dans des trucs très très politisés, on va pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est quelque chose d'aussi passionnant à aller regarder, peut-être que je ferai un jour des vidéos plus sur cette thématique-là. Alors, elle a participé à la fondation de la revue « Questions féministes », et est également une des cofondatrices de la revue Le Genre Humain. Guillaumin propose une analyse en termes de construction sociale du genre, donc d'abord du genre. Et ses théories recoupent celles de féministes radicales et posent les jalons de la critique du genre. Donc c'est vraiment une féministe qui s'intéresse aux questions de, de, de genre et aux questions de race. Il y a cette articulation entre les deux toujours dans son travail. Donc il y a des publications de Colette Guillaumin qui sont accessibles en ligne. Par exemple, encore une fois sur le site Kern hein, que je vous recommande comme toujours, euh, et dont, euh, que vous pouvez lire, soit lire les premières lignes en cliquant sur première ligne. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux, parce que je crois qu'on voit pas très bien. Voilà. Hop là. Euh, voilà, vous pouvez soit lire les premières lignes, soit télécharger euh, le, le document. Il y a un, aussi un texte qui s'appelle masculin banal, masculin général, un texte qui s'appelle avec ou sans race qu'on va checker. Euh, et plusieurs textes, il y a à peu près 6 euh, textes disponibles en tout cas sur Cairn, après vous pouvez trouver d'autres euh, textes ou d'autres articles ou d'autres livres euh, dans des librairies, etc. Là on va checker le, le texte qui s'appelle Masculin banal masculin général et euh, que j'ai déjà pré-surligné normalement si je ne me trompe pas, voilà. Je vais juste vous lire le début pour que vous voyez comment elle s'exprime se... enfin, à propos euh, de la question féministe. Euh, et, euh, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai eu du mal à comprendre là, en tout cas, mais euh, vous allez voir, c'est écrit d'une manière particulière. Elle dit Comme on va le voir, c'est selon une logique inverse de celle qui est couramment admise que je vois le primat du masculin sur le féminin. Primat qui investi jusqu'à la grammaire de, et ses accords. Je m'abstiendrai donc d'un débat du style forme complémentaire sexuelle ou symétrique, masculin-féminin, blablabla. Bla ni non plus du style le masculin n'est pas tout compte fait un genre supérieur, il a ses faiblesses et ses failles, blablabla. Bla bla. Je prendrais pour acquis que le masculin est bel et bon, qu'il est non seulement bien d'en être, mais carrément mieux, qu'il est respectable parce qu'il est le genre général, et qu'en être, c'est être général en même temps et aussi bien que particulier, ce qui est le rêve de tous ceux qui ne sont que particuliers et qui le demeurent. Parce qu'il est de surcroît le genre, qui l'emporte sur situation, enfin qui il est le genre qui l'emporte sur. C'est une situation qui évite toute contestation mesquine et médiocre, et qui étant général, est en général et assurée de l'emporter dans la grammaire, la langue et l'histoire, il présente des avantages qu'on ne saurait nier. Quant au lourd fardeau de l'homme blanc, traduisez ici le lourd fardeau de l'homme masculin, on a déjà compris qu'il n'en serait pas question, ces notes étant résolument non humoristiques. Donc, vous voyez un peu le style d'humour. Euh, Qu'a euh, Colette Guillaumin, qui est un humour euh, très, très complexe et, euh, et référencé. Euh, voilà, il faut être un peu calé euh, en histoire du féminisme et en concept féministe pour comprendre tout ce qu'elle euh, qu explique ici. Et euh, voilà, moi j'ai encore beaucoup à apprendre pour pouvoir vous décrypter correctement l'idée qu'elle essaye de transmettre. En tout cas, euh, elle parle déjà ici de la question de l'homme blanc, qui revient beaucoup dans le discours médiatique aujourd'hui. Et c'est un texte qui est publié en 1984. Et que je vous encourage à lire en entier si ça vous intéresse. Je pense que c'est... Enfin, euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, vraiment intéressant. Mais on va lire, du coup, ce qu'elle nous dit sur la race. Parce que c'est ça qui va nous intéresser dans cette interview. Euh, enfin, dans cette interview, dans cette, euh, dans cette interview de, de Sarah Mazouz. Et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment basiques qu'elle a déjà dit. Donc là, c'est un texte publié en 1984 aussi. Euh, dans le genre humain. Et qui s'appelle « Avec ou sans race ». Et donc que vous retrouvez sur Kern. Et Colette Guillaumin dit... Alors, attendez... Je zoome. Quels sont les éléments nouveaux dans le racisme aujourd'hui en France Alors, On est en 1984. Hein. Et pourquoi se poser cette question Car il faut bien se la poser. Le racisme n'est pas ce phénomène social, spontané, transparent, identique à lui-même à travers tous les temps, tous les pays, tous les peuples ou groupes. Les préalables que pose euh, Colette Guillaume. Elle dit, les antagonismes entre groupes la violence exercée contre d'autres, la domination de certains peuples par d'autres, l'exclusion de fractions entières de la société par d'autres, qui en ont, qui ont en main le pouvoir et les moyens de contrôle de la force, ont des formes historiques diverses. C'est-à-dire que tout ça, il y a plein de formes historiques de violence entre des communautés, etc. Mais le racisme n'est qu'un cas particulier de ces rapports de domination et de force. Tous les rapports de domination et de force ne sont pas racistes pas Davantage les formes d'agression que pratiquent entre les humains particuliers ne sont toujours ni, euh, ne sont toujours ni le plus fréquemment racistes. C'est-à-dire que les rapports aussi qui, d'agression qu'il y a entre les êtres humains ne sont pas toujours des, des rapports euh, racistes. Voilà, tout simplement. Alors, salut PG Scott. <coughs> et je regarde qui d'autre est arrivé. Non, c'est bon. Et je, je continue un peu plus bas, je lis un autre, un autre passage et vous pourrez lire l'ensemble, enfin le texte en entièreté si ça vous intéresse. Prétendre le racisme universel, le prétendre partie prenante de la nature humaine, est déjà une prise de position raciste. Car cela revient à dire que la destruction ou l'exclusion d'êtres humains par eux-mêmes est programmée génétiquement dans l'espèce, est un élément de leur propre nature. Et c'est précisément ce qu'enseigne la doctrine raciste, que tout ce qui advient est affaire de détermination naturelle. Pratiquement antérieur à toute société et même fondateur des traits sociaux. D'ailleurs, on oublie trop souvent qu'être raciste, ce n'est pas simplement être méchant. Cela va sans dire et encore beaucoup mieux en le disant. Ce n'est pas d'abord l'agressivité explosive. En passant par le canal de la doctrine, en s'énonçant comme théorie, le racisme s'est toujours prétendu, et se prétend, détaché de tout affect et tout emportement. Et il est en effet bien plus que cela. Loin de la passion physique et politique antérieure à elle, le racisme est une, est une violence fondamentale qui décrète l'ordre du monde. Ce décret est fort simple. Donc, que dit le racisme Le racisme nous dit ⁇ Les êtres humains sont différents par essence et ils le sont pour l'éternité. Le noyau du racisme est là, il est irréductible. De cela peuvent sortir des théories de bon ton qui, puisqu'elles ne recommandent pas explicitement la violence physique, pardon, sont parfois prétendues non racistes. Puisque le racisme serait identifié à une explosion d'agressivité. On a vu Gobineau ainsi défendu et les nouvelles théories racistes usées de ce genre d'argumentation. Là, elle fait référence à Gobineau qui est Arthur de Gobineau qui a écrit euh, Essai sur euh, l'inégalité des races humaines. Alors, qu'est-ce que nous dit euh, ici euh, Colette Guillaumin C'est que, euh, que, en fait, euh, la question du racisme, ce n'est pas simplement une question de méchanceté et, euh, et d'agressivité euh, violente nécessairement. mais ça peut prendre d'autres formes, euh, beaucoup plus, beaucoup plus fines, finalement. et, euh, et il faut se méfier de l'idée que euh, tous les êtres sont naturellement racistes. ça c'est une idée qu'on qu va, enfin, qu va voir revenir assez, assez fréquemment. beaucoup de gens vont vous dire oui, mais en fait, dans toutes les sociétés, il y a du racisme, etc. tout le monde, l'homme est naturellement raciste, etc. ça c'est déjà, en fait, un Hein, du coup, euh, c'est déjà la base d'une prise de position raciste comme elle nous le dit ici dans le texte. Et plus bas, je vous avais souligné un autre truc. La race n'existe pas. <laughs> dire, que, dire la race n'existe pas, les catégories raciales ne sont pas des, taxo des taxonomies pertinentes. Elles sont le produit d'une époque, etc. Ça, c'est une vérité. Mais c'est une vérité intellectuelle, et pas davantage. Car son énonciation ne supprime pas le moins du monde n'atteint en rien le racisme. Ça veut dire en gros que dire que la race n'existe pas, ça change rien au fait que le racisme existe. C'est ça qu'elle nous dit. Croire qu'en disant cela, le racisme s'en trouverait soudain obsolète, révèle rêve, relève d'un rêve éveillé. C'est le racisme qui est l'inventeur de la race. Pourtant, découvrir et dire que la race n'existe pas ne supprime pas le racisme. Et en fait, et en fait rester sur le terrain de la race de son existence ou de son inexistence c'est se placer c'est se placer dans la logique raciste pense-t-on vraiment que si la race existait elle serait ou pourrait être la cause réelle des violences raciales et racistes pense-t-on que puisque ma foi elle n'existe pas les violences et les lois comme les doctrines racistes sont incompréhensibles et injustifiées faut-il alors entendre que tout cela serait compréhensible si les races existaient vous voyez un peu le, le type d'humour qu'elle a toujours en posant des questions rhétoriques un peu... et peut-être même justifiées. Si l'on y réfléchit, entrer dans une telle argumentation, c'est se situer dans les marges même de la vision du monde, de l'idéologie raciste. C'est dire tout simplement qu'elle n'a pas matière à s'exercer. Ce n'est pas la révoquer dans son exercice et sa mécanique. Ce n'est pas même ébranler l'ensemble de ses présupposés et de sa logique. Voilà, je vous laisse lire la suite de ce texte qui est vraiment intéressant, donc qui s'appelle Avec ou Sans Race, et que vous pouvez lire en entier, qui est très court, il y a 9 pages euh, sur Kern Info et qui donne un peu une idée de la manière dont Colette Guillaumin définit le racisme et le fait de parler de la race ou de ne pas en parler. Et là je vais lire un truc un peu plus court, elle a aussi écrit le texte Je sais bien mais quand même, ou les avatars de la notion de race, publié en 1981. Dans lequel elle dit, bon je vous lis pas tout, mais il y a un moment où elle dit le mot race, qui est d'existence assez récente en français, il est attesté euh, au XVIe euh, siècle, donc ça c'est au XVIe siècle, la première occurrence du mot race dans la langue française, il a d'abord eu un usage très précis et déterminé, celui de famille, et plus exactement encore, de filiation familiale. Et de plus, il n'était en usage que pour désigner des familles d'importance. On disait la race des Bourbons la race de David, etc. Il ne servait alors en aucun cas à nommer sous un terme unique de grands groupes d'hommes n'ayant entre eux aucun lien de parenté juridique. De la famille légale restreinte et noble, le terme en est arrivé à être utilisé pour des vastes groupes d'hommes auxquels l'attribution d'un trait physique commun allait être le prétexte à la désignation comme un tout, ce tout étant nommé race. Du nom à la couleur de la peau, le trajet est considérable. Donc, c'est-à-dire que le, le, la race, au début, ça parlait seulement des noms de famille, et ensuite, c'est devenu la, la couleur de la peau, mais au fur et à mesure d'une longue histoire. Euh, du lien juridique étroit du groupe familial jusqu'à l'extrême dispersion géographique, le voyage sémantique est singulier. Néanmoins, tel est le cas, et il a fallu longtemps et une transformation du, monde de penser, du mode de pensée pour que soient ainsi désignées des collections d'êtres humains pour lesquels un trait physique tenait lieu de fédérateur. De la race, rôle tenu auparavant par le nom patronymique. Voilà, là je vous, je vous ai dit un petit bout, et ensuite je vous lis un truc à la, tout à la fin de ce texte, qui est aussi intéressant et qui revient dans beaucoup de, de prises de position aujourd'hui. Elle dit à la fin de ce texte Non, la race n'existe pas. Si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, réelle et brutale des réalités. Donc là, vous voyez un peu toute le, la complexité de la pensée de Colette Guillaumin, et qui est donc celle qui a introduit l'idée de personnes racisées ou de racisation. J'espère que ma petite explication était suffisamment claire. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller fouiller par vous-même et vous faire une idée, et bien sûr avec, avec toujours un regard critique sur ce qu'elle dit, et en essayant de chercher aussi des, des, contre, des controverses à sa pensée. Et on va, je vais en citer par la suite, mais pas tout de suite. Alors on reprend la lecture du texte de Sarah Mazouz. Ces classifications, donc euh, les classifications, donc qui est racisé ou qui n'est pas racisé, peuvent changer selon les époques. Alors attendez, je lis un peu vos commentaires quand même, parce que je ne les ai pas tous vus. C'est 1984 la date, ouais, c'est exactement ça. Euh, c'est pour ça que je pense que les luttes sont transversales. Intersectionnalité est nécessaire. On va en parler d'intersectionnalité juste après. Un point de vue occidental pour justifier ses structures sociales. Super intéressant. François Vergès, dans son livre Un féminisme décolonial opte aussi pour ce jeu dans l'écriture. Et si je ne l'ai pas encore lu... En... Ah si j'ai lu la première partie du livre, mais pas encore tout en entier. Salut petit cancanou. bienvenue. La race n'existe pas, mais elle tue contre Fouris. Ouais, il y a d'ailleurs un livre dont on va parler après qui s'appelle La race tue deux fois, qui est intéressant. Alors je reprends le... la lecture de l'article. Donc là c'est Sarah Mazous qui nous parle, qui dit, ces classifications peuvent changer selon les époques. Des groupes racisés ne le sont plus par la suite. Dans l'histoire des États-Unis, par exemple, les Irlandais n'étaient pas au départ pensés comme des blancs. Puisqu'ils étaient catholiques, ils étaient considérés comme inférieurs aux protestants blancs, qu'on appelait les White Anglo-Saxon Protestants, donc ça s'appelait les Wasps. Les Irlandais ont ensuite progressivement acquis un statut de blanc. Déjà, dans le contexte du Royaume-Uni, les Irlandais du Sud, du fait de leur catholicisme, étaient colonisés et pensés comme inférieurs. Donc pour dire aussi que voilà même la question de la construction. Des Blancs et qui euh, est racisé à un moment ou à un autre euh, peut changer dans l'histoire. Et pour un peu approfondir cette question, je vous ouvre. Il y a le livre qui est sorti euh, qui s'appelle How the, the Irish became white qui a publié par Noel Ignatieff. Alors je fais un petit zoom pour que vous voyez mieux. Voilà, publié par Noël Ignatieff. Il euh, y a un article de, sur lui euh, qui est paru sur le, dans le New Yorker, mais on ne pourra pas y avoir accès <coughs> parce que je ne suis pas connecté. Mais on peut voir, il nous laisse un peu baver comme ça derrière. Donc on peut voir qu'il y a un article ici. Il faut que je me connecte et je ne veux pas me connecter. Mais je vous ai quand même mis le lien dans mes sources, si vous avez un compte New Yorker ou autre. Et euh, sinon, il y a aussi le texte qui s'appelle the, In the Invention of the White Race, l'invention de la race blanche. Euh, qui euh, je, vous, je vous montre euh, sous une autre forme ici, hop là, voilà, qui ressemble à, à ça, un livre qui est paru, publié par Theodore W. Allen, et vous allez trouver euh, sur le site de Jeffrey B. Perry, donc il y a un américain euh, professeur, je ne sais plus exactement où, mais euh, en tout cas, il a fait. Euh, une heure et demie ou deux heures, voilà, deux heures de conférence sur le livre euh, L'Invention de la race blanche, que je vous conseille d'aller checker, alors euh, je dis pas que je valide forcément ce que dit euh, Jeffrey B. Perry mais c'est juste que c'est intéressant, parce que ça donne quand même des points de contexte pour se demander euh, d'où vient l'idée de la construction de la blanchité aussi, et donc ça vient beaucoup de ce livre qui a été écrit par Theodore W. Allen dont je vous montre la tête c'est ce monsieur là qui est lui-même blanc hein, du coup et vous allez voir que la majorité des personnes qui écrivent sur la blanchité sont des personnes blanches. En tout cas, qui ont lancé les études sur la blanchité sont des personnes blanches. Euh, et qui a donc écrit euh, ce livre, L'invention de la race blanche. Voilà. Si tout ceci vous intéresse, toutes les sources sont dans, euh, dans mon Trello. Et donc, vous tapez point d'exclamation source et vous allez trouver. Alors, je continue de lire. Bastamac demande Affirmer l'inanité scientifique. Alors l'inanité ça veut dire, euh, le comment je pourrais dire ça Inanité ça veut dire euh, le fait que ça ne veuille rien dire, euh, le, le fait que ça, ça n'ait pas de sens. Affirmer l'inanité scientifique de la notion de race pour combattre le racisme, ça ne suffit pas, écrivez-vous. Pourquoi Donc ce qu'elle est en train de dire c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec Colette Guillaumin, hein, c'est-à-dire que quand on dit le racisme biologique n'existe pas, il n'y a pas de race, en fait ça ne suffit pas. À, à effacer ou combattre le racisme. Et on lui demande pourquoi, et Sarah Mazouz dit « S'il est vrai que les races telles que les, racismes, les racistes les conçoivent ne correspondent à rien, c'est-à-dire les races hiérarchiques et biologiques, puisqu'il n'existe pas une pluralité de races biologiques qui serait hiérarchisée, notre histoire a quand même été innervée par le racisme. L'esclavage, les empires coloniaux, le nazisme... Par exemple, ça, ce sont des grands exemples de la manière dont euh, le racisme a innervé nos sociétés. Et donc, la race, au sens d'un rapport de pouvoir socialement produit, au sens d'un rapport de pouvoir socialement produit, existe et a des effets. Nous continuons à en subir les effets de pauvreté, de maladie ou de mort. En ce sens, les effets sociaux de la race sont, eux, bien réels, mais ils sont le plus souvent sédimentés et donc moins explicites. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi euh, frontaux que quand on va dire euh, un, une insulte raciste, par exemple. Ça va être des choses beaucoup plus diffusées dans la société et qui vont produire en fait des effets racistes, c'est ce qu'elle dit. Et on, voit, on pense déjà à la notion de racisme systémique, mais elle n'en parle pas du tout là, en tout cas. En d'autres termes, la race continue de structurer des pans entiers de nos relations sociales sans même que nous nous en rendions compte. Il faut donc en analyser les conséquences au-delà de la seule question du racisme, entendue comme une idéologie violente portée par des individus déviants. Donc ça, ça veut dire que, elle pour elle, il faut analyser tout ce racisme qui structure, donc on appelle aussi stru racisme structurel, qui structure des pans de nos relations sociales, et il ne faut, faut pas se cantonner à, euh, à analyser les conséquences, du coup, du racisme idéologique et violent, quoi. Qui serait, du coup, limité seulement à des gens déviants. Voilà. Je, je, je paraphrase Or, pour saisir le racisme dans cette dimension structurelle, on a besoin de nommer et d'expliciter les logiques qui le produisent. C'est pour cela que les sciences sociales ont recours à la notion de race en l'utilisant au singulier pour décrire un rapport de pouvoir qui, comme la classe ou le genre, est à la source d'inégalités sociales. Alors là, comme je disais tout à l'heure, <coughs> alors attendez, je regarde ce que vous avez dit. Ré -ré euh, réa 1 salut, bienvenue. <laughs> pas que énervé, mais énervé. Oui, effectivement. Alors, Tosamak, si, salut, tu as fait une licence d'histoire Non, j'ai pas fait de licence d'histoire, j'ai fait les beaux-arts. Mais je suis passionné d'histoire. Alors, je vous ouvre en parlant d'histoire, justement, puisqu'on parlait de, de race, racisme, voilà, de théorie, de racisme violent, etc. On a parlé tout à l'heure de Arthur de Gobineau. Le comte de Gobineau, donc je rementionne encore une fois comme je le fais souvent euh, l'essai sur l'inégalité des races humaines qui est disponible sur Gallica, que vous pouvez aller lire euh, gratuitement scanner, qui a été écrit en 1884 par euh, le comte de Gobineau et qui est un des fondements, donc c'était un français, hein, un des fondements de l'idéologie raciste et qui décrit euh, pourquoi les races humaines sont, euh, sont non égales. Euh, et en réponse à ce texte, il y avait, donc il y avait, vous m'aviez cité ça la dernière fois dans le dernier live. Il y avait le texte de l'égalité des races humaines qui a été publié l'année suivante par un penseur euh, haïtien qui s'appelle Anténor Firmin, qui était membre de la Société d'anthropologie de Paris. Parce qu'en fait, euh, Gobineau se basait sur des questions d'anthropologie, donc il étudiait les crânes, etc. Et il en déduisait que les races humaines étaient, euh, di étaient euh, hiérarchiquement euh, différentes. Et euh, Anténor Firmin, sur une base d'anthropologie positive, essaye de prouver l'inverse. Dès l'année suivante, 1885. Donc c'est publié. Et donc je vous conseille de. C'est une... cette espèce de débat qui est un peu primordial sur la question du racisme. Donc on voit un Français contre. Enfin, contre. En tout cas, qui... à qui répond un Haïtien noir. Et en sachant aussi l'histoire d'Haïti par rapport à la France, c'est quelque chose d'assez intéressant à creuser. Alors j'ai lu un peu de, de l'essai sur l'inégalité des races humaines, mais j'ai jamais encore lu le... de l'égalité des races humaines. Et ce que je vais m'y atteler dès que j'ai du temps. Et pour continuer sur ça, je vous fais écouter juste un deuxième bout de l'interview de Sarah Mazouz sur, euh, sur euh, Radio de la Communauté Juive. Euh, je vous fais un, écouter un morceau où elle parle justement de la différence entre euh, racialisme et racisé. Donc euh, racialisé et racisé. Vous allez voir, on va en parler juste après. Et c'est un moment à 5 minutes 16. Donc voilà, je me mets là. Ça me permet de reposer ma voix quelques instants par racisation, c'est-à-dire que la racialisation, logique de distinction, et la racisation, qu'est-ce que c'est Justement, toujours dans l'exemple, par exemple, de, de l'antisémitisme. Alors oui, en fait, on distingue racialisation et racisation. Si vous voulez, racialisation, ça englobe tous les processus euh, qui visent à produire des hiérarchies sur un mode racial, que ce soit au bénéfice d'un groupe ou au dépens d'un groupe. Et racisation, c'est justement le fait de produire un groupe qui est... Euh, dominer, comme de le produire comme une race et de le placer à une position inférieure. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre racisation et racialisation, mais, euh, mais voilà, je crois que c'était, elle a essayé de le dire le plus clair et court possible, euh, donc euh, voilà. Mais on va, on va approfondir cette différence en regardant la question que pose Bastamag, la même question donc que pose Bastamag à euh, Sarah Mazouz. Que signifie racialisation Justement, quand on parle de race en sciences sociales, on pense au processus de racialisation. Pardon. De racialisation. Le terme racialisation appartient au vocabulaire de l'analyse sociologique des rapports produits par l'existence du racisme. C'est un terme forgé par Franz Fanon, qui a vécu entre 1925 et 1961, et qui est un psychiatre et essayiste français. Il a forgé ce terme dans Les Damnés de la Terre, qui est un de ses livres que je vous conseille de lire. Lorsqu'il analyse la situation coloniale et le type de domination spécifique qu'elle produit, <coughs> il explique comment des logiques de racialisation sont à l'œuvre, puisque dans ce contexte, les rapports sociaux sont structurés par une hiérarchie entre colons et colonisés, les derniers étant conçus comme radicalement autres et inférieurs aux premiers, d'où le racisme. Qui sous-tend l'entreprise coloniale. Après Fanon, le concept de racialisation a été utilisé en sciences sociales d'abord par les sociologues britanniques pour désigner les processus par lesquels les sociétés, même quand elles ne sont pas organisées par le racisme, continuent en fait à produire des hiérarchies raciales. Alors je trouve ça intéressant parce que ça nous montre déjà que pour le mot racisé et pour le mot racialisé, euh, les, les personnes qui ont construit ces, ces concepts sont françaises. C'est-à-dire Colette Guillaumin, féministe française, et Franz Fanon, essayiste psychologue français. Enfin, psychiatre, excusez-moi, psychiatre français. Alors, elle nous parle des damnés de la Terre, et je trouve ça intéressant parce que je. je... Alors, déjà, je vous montre Franz Fanon. D'abord, je vous montre qui est Franz Fanon. Ibrahim Franz Fanon, qui est né Franz Fanon, après, il a ajouté le nom Ibrahim, le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique, et il est mort le 6 décembre 1961 à Bethesda. Bethesda aux États-Unis, dans un hôpital militaire de la banlieue de Washington. C'est un psychiatre et essayiste de nationalité française se considérant comme citoyen algérien, fortement impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et dans un combat international dressant une solidarité entre frères, entre guillemets, opprimés. Alors là, on est sur la définition de Wikipédia, hein. bien sûr, c'est pas forcément comme ça que Fanon se serait défini lui-même, il y a des choses à, à critiquer, etc. Ça nous donne une première, un premier aperçu. De, de ce qui a été compilé par la communauté Wikipédia sur Franz Fanon. Il est l'un des fondateurs du courant de la pensée tiers-mondiste. Euh, voilà, On parle du tiers-monde, etc. Et c'est une figure majeure de l'anticolonialisme. Il a inspiré des études postcoloniales, ça on va en parler un peu après dans l'interview. Et il cherche à analyser les conséquences psychologiques de la colonisation, à la fois sur le colon et sur le colonisé. Dans ses livres les plus connus, comme Les Damnés de la Terre, il analyse le processus de décolonisation sous les angles sociologiques, philosophiques et psychiatriques. Et ça que je trouve passionnant avec Fanon, c'est qu'il est toujours aussi dans la question psychiatrique et psychologique, même si on peut remettre en question plein de ses analyses, notamment sur les questions de genre, qui sont assez problématiques sur plein de points. Mais il y a quand même des choses intéressantes à tirer. Il a également écrit dans des articles importants en psychiatrie. Alors. Alors ouais, je, je lis un peu ce que vous dites. Les colonisateurs ont, sont oubliés <coughs> par les gens. On, attends, les colonisateurs sont oubliés par les gens. Ils ont une mémoire, si courte mémoire. C'est ça le vrai souci, selon moi. Oui, effectivement. Le problème de la mémoire, c'est euh, important comment on entretient la mémoire, en fait. <coughs> Tout simplement. C'est là où on voit que dire, vous reprenez les concepts venant d'outre-Atlantique, j'ai envie de dire lol. 13bis d'ailleurs, Outre-Atlantique, c'était considéré French Theory. Non, effectivement. Alors en fait, beaucoup de ces concepts sont, sont en fait, viennent pour beaucoup de France, à la fois de Fanon, de Colette Guillaumin, mais aussi d'autres penseurs qui ne s'intéressaient pas forcément à la question du racisme, comme Foucault ou Derrida, qui ont beaucoup été absorbés par les Américains, en fait. Et tout ça s'appelle effectivement la French Theory. Et c'est ça qui a nourri aussi beaucoup le féminisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, enfin en tout cas les, les vagues les plus récentes de, de théories féministes. C'est beaucoup les auteurs français qui les, ont, qui les ont nourris et tout ce qui est déconstruction de genre aussi, c'est beaucoup basé en fait sur des idées françaises au départ qui ont été réingérées par les Américains et américaines et qui ont ça donné autre chose et maintenant ça revient vers la France. Enfin, il y a toujours des circulations comme ça de pensée. Euh, Franz Fanon donc, il a écrit les damnés de la terre <laughs> et donc je vous ai mis le PDF dans, le, dans les sources. Donc si vous tapez sources, vous verrez en pièce jointe il y a le euh... Voilà, il y a le truc, alors PG Scott, je suis pas du tout concentré, je regarderai la VOD YouTube plus tard, en tout cas c'est intéressant, je reviendrai. Bah super, t'es le bienvenu euh, PG Scott. Et totem, pareil. Ok, bah pas, pas de soucis. Euh, bah bon, bon YouTube les amis. Vous revenez quand vous voulez et vous regarderez la VOD, euh, c'est top. Alors là, je vous montre le texte de Franz Fanon qui s'appelle donc Les Dannées de la Terre. Euh, et qui a été publié en 1961 et qui a un texte vraiment vraiment passionnant dans lequel il parle en fait de, de toutes les personnes qui, euh, qui sont en fait euh, dans les territoires euh, colonisés, notamment par la France, mais en général par tous les empires coloniaux. Et je vais vous montrer, si je fais CTRL-F et que je tape raciali... voilà, racialisation, quoi. les premières fois où apparaît le mot racialisation dans, le, dans ce texte de Franz Fanon, euh, je, vous, je vous lis un peu comment dans quel contexte ça apparaît. Et vous allez voir, c'est intéressant. D'ailleurs, super la, V2, la VOD, j'écoute ça. Trop bien. <laughs> ça fait plaisir. Franz Fanon dit, Les efforts du colonisé pour se réhabiliter et échapper à la morsure coloniale s'inscrivent logiquement dans la même perspective que celle du colonialisme. L'intellectuel colonia... colonisé qui est parti très loin du côté de la culture occidentale et qui se met en tête de proclamer l'existence d'une culture, ne le fait jamais au nom de l'Angola ou du Dahomey. La culture qui est affirmée est la culture africaine. Le nègre, qui n'a jamais été aussi nègre que depuis qu'il est dominé par le blanc, quand il décide de faire preuve de culture, de faire œuvre de culture, s'aperçoit que l'histoire lui impose un terrain précis, que l'histoire lui indique une voie précise et qu'il faut manifester une culture nègre. Alors, ça, vous allez voir, c'est intéressant dans toute l'analyse de Franz Fanon. C'est qu'en gros, là, il est en train d'expliquer comment. La personne colonisée en essayant de prendre son indépendance par rapport à la culture euh, coloniale va en fait créer une espèce de culture euh, qui est. Ouais, qui, qui est la, la culture nègre, mais qui est plus large que juste l'endroit d'où il vient, et qui est en fait une culture qui, qui essaye de correspondre à l'ensemble des personnes colonisées dans la même situation que lui. Et du coup il y a un truc assez bizarre qui se passe à ce moment-là, mais je vous conseille de lire l'ensemble du texte pour comprendre mieux ce qu'il veut dire par là. Il est bien vrai que les grands responsables de cette racialisation de la pensée, donc c'est là où il emploie le mot racialisation, ou du moins des démarches de la pensée, <coughs> sont et demeurent les Européens, qui n'ont cessé d'opposer la culture blanche aux autres incultures. Le colonialisme n'a pas cru devoir perdre son temps, nier les unes après les autres les cultures des différentes nations. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il explique, c'est que puisque les Européens, à ce moment-là, à l'époque coloniale, ont opposé une culture blanche à l'ensemble des autres cultures, il n'y ben a pas eu de. Enfin, en tout cas, les, les intellectuels colonisés qui tentent de réhabiliter leur culture essayent de réhabiliter l'ensemble des autres cultures d'un coup, ce qui crée un, un phénomène assez particulier. Aussi, la réponse du colonisé sera-t-elle d'emblée continentale En Afrique, la littérature colonisée des 20 dernières années n'est pas une littérature nationale, mais une, mais une littérature de nègres. C'est-à-dire que les, les artistes en question ne se revendiquent pas comme euh, l'écrivain euh, euh, gabonais ou l'écrivain nigérien ou l'écrivaine sénégalaise ou malienne, mais euh, comme africaine. Et là, là, il parle en 1960. Hein. C'est quand même euh, très très proche de la fin de la colonisation. Enfin, C'est au moment des décolonisations, en fait. Le concept de négritude, par exemple, était l'antithèse affective, sinon logique, de cette insulte que l'homme blanc faisait à l'humanité. Cette négritude ruée contre le mépris du blanc s'est révélée dans, certaines dans certains secteurs la seule capable de lever les interdictions et les malédictions. Ça c'est pour vous donner un peu une idée de comment apparaît le terme racialisation dans son texte. Et vous voyez que c'est toujours dans un truc où en fait il parle beaucoup de la, la psychologie de la personne dominée. Il n'est pas que dans l'accusation entre guillemets des dominateurs ou des dominatrices, mais il est dans une question de comment les deux s'articulent psychologiquement. Cette obligation historique, là je vous lis un autre passage qui est beaucoup plus loin, hein, page 201, où le mot racialisé apparaît encore. Et le, le livre fait 309 pages, mais franchement, c'est vraiment passionnant, il faut vraiment le lire. Avec un regard critique, toujours, hein, en disant, comme je vous disais tout à l'heure, il n'a pas dit que des choses intelligentes, fanon. Mais, euh, mais voilà, mais c'est intéressant à lire. Cette obligation historique dans laquelle se sont trouvés les hommes de culture africain. De culture africaine. Oui. Je, je relis correctement. Cette obligation historique. Dans laquelle se sont trouvés les hommes de culture africains de racialiser leurs revendications, de parler davantage de culture africaine que de culture nationale, va les conduire à un cul-de-sac. Donc là aussi, vous voyez que Franz Fanon, il parle de cette, de cette racialisation et de ce qu'elle produit sur la culture, mais toujours aussi avec un, un regard critique euh, que, qu aujourd'hui, les anti des coloniaux ne reconnaissent pas forcément ou ont du mal à énoncer. Là, il, il dit clairement que ça va conduire à un cul-de-sac le fait de, se raci de racialiser les revendications. Et je continue. Euh, plus loin, page 203, c'est un tout petit peu après. On voit donc que le problème culturel tel qu'il est quelquefois posé dans les pays colonisés risque de donner lieu à des ambiguïtés graves. L'inculture des nègres, qui est proclamée par le colonialisme, c'est-à-dire le colonialisme dit que les nègres sont incultes, la barbarie congénitale des Arabes, Devait logiquement conduire à une exaltation des phénomènes culturels non plus nationaux mais continentaux et singulièrement racialisés. En Afrique, la démarche de l'homme de culture est une démarche négro-africaine ou arabo-musulmane. Elle n'est pas spécifiquement nationale. La culture est de plus en plus coupée de l'actualité. Elle trouve refuge dans un foyer passionnellement incandescent et se ferait difficilement des voies concrètes qui seraient pourtant les seules susceptibles de lui procurer les attributs de fécondité d'homogénéité et de densité. Alors je ne sais pas si vous avez trop compris. Dites-moi si c'est euh, si trop complexe ce qui, ce qui dit là. Mais en gros, euh, l'idée c'est que c'est que c'est la toujours la même idée qui depuis toutes les pages que je vous ai montré le mot racialisé c'est toujours l'idée que euh, puisqu'on crée puisque la culture blanche s'oppose à un ensemble de cultures, les personnes qui vont reprendre enfin se réapproprier ces ensembles de cultures vont se les réapproprier en tant qu'ensemble et pas dans les spécificités locales, et que ça, selon Fanon, c'est pas fécond sur le long terme. Voilà. Et, et d'ailleurs, je, je vous fais écouter un tout petit peu la voix de Fanon. Il y a un enregistrement qui a été mis en ligne par ITM, alors l'Institut du Tout Monde euh, sur, euh, sur SoundCloud. L Institut du Tout Monde, qui est un, une plateforme vraiment intéressante que je vous conseille de checker, qui suit la pensée d'Edouard Glissant. Euh, voilà, fin, qui est basé autour de la pensée d'Edouard Glissant et qui a publié un petit extrait d'une conférence de François Fanon et c'est assez cool d'entendre de, la voix du bonhomme parce que il écrit de manière très euh, scientifique et très savante et il parle aussi de manière très savante et je vous laisse l'écouter quelques instants. Mesdames et Messieurs, dites-moi si vous entendez merci, parce que euh, je suis pas sûr que vous très bien. parole après le précédent orateur car le thème qui m'est proposé est racisme et culture. Le magnifique exposé du précédent orateur, faisant une étude longitudinale de la répercussion de la rencontre d'une domination étrangère dans l'île de Madagascar en fonction de la culture, c'est le même thème qui m'a été proposé et en définitive. Et si mon analyse est notionnelle, mais l'analyse actuelle et pratique de monsieur, de, du président orateur me gêne un peu. Je tenais à vous le dire parce que et me, parallèlement, ce sont les mêmes, mêmes, mêmes travaux que nous avons effectués. Bon, je vous laisse écouter l'ensemble de l'interview, enfin de, de la conférence si vous voulez, mais cette conférence, c'est la conférence Racisme et Culture qui est pour moi un des textes les plus importants de Frantz Fanon, en tout cas c'est celui qui m'a le plus parlé, et que j'ai aussi mis, euh, il est en PDF aussi dans, dans les sources, donc vous pouvez aller checker, et c'est un texte de 8 pages qui reprend euh, la conférence, donc, et, euh, et dedans il y a un passage, en fait je trouve je le trouve passionnant parce que il parle de racisme structurel, euh, ça a été publié en 1950, non je crois pas que c'est 1956, je sais plus c'est quand la date, attendez je regarde ça tout de suite, Racisme et Culture, ouais, 1956, conférence en septembre 1956, euh, et dans laquelle il parle déjà de racisme structurel, mais il parle aussi d'autres choses que je trouve vraiment passionnantes quand, euh, quand on réfléchit à ces questions justement des effets du racisme, etc. Et je vous lis euh, ce paragraphe parce que je trouve passionnant. La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de l'observation historique que le but recherché, et davantage une agonie continuée plutôt qu'une disparition totale de la culture préexistante. Ça veut dire que quand les colons arrivent, ils ne veulent pas réellement tout détruire. En fait, ils laissent euh, la culture agoniser. Pourquoi Cette culture autrement vivante et ouverte sur l'avenir se ferme, figée dans le statut colonial et prise dans le carcan de l'oppression. À la fois présente et momifiée, elle atteste contre ses membres. Elle les définit en effet sans appel. La momification culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle l'apathie si universellement signalée des peuples coloniaux n'est que la conséquence logique de cette opération. Le reproche de l'inertie constamment adressée à l'indigène est le comble de la mauvaise foi comme s'il était possible à un homme d'évoluer autrement que dans le cadre d'une culture qui le reconnaît et qu'il décide d'assumer. C'est ainsi que l'on assiste à la mise en place d'organismes archaïques inerte, fonctionnant sous la surveillance de l'oppresseur, et calquée caricaturalement sur des institutions autrefois fécondes. Ces organismes traduisent apparemment le respect de la tradition, des spécificités culturelles, de la personnalité du peuple asservi. Ce pseudo-respect s'identifie en fait au mépris le plus conséquent et au sadisme le plus élaboré. La caractéristique d'une culture, c'est d'être ouverte, parcourue de lignes de force spontanées, généreuses et fécondes. L'installation d'hommes sûrs chargés d'exécuter certains gestes est une mystification qui ne trompe personne. C'est ainsi que les Djemma Kabyles, nommés par l'autorité française, ne sont pas reconnus par les autochtones. Elles sont doublées d'une autre djema élue euh, démocratiquement. Et naturellement, la deuxième dicte la plupart du temps sa conduite à la première. Le souci constamment affirmé de respecter la culture des populations autochtones ne signifie donc pas la prise en, en considération des valeurs portées par la culture incarnée par les hommes. Bien plutôt, on devine dans cette démarche une volonté d'objectiver, d'encapsuler, d'emprisonner et d'enquister. Des phrases telles que ⁇ je les connais ⁇ ou ⁇ ils sont comme ça ⁇ traduisent cette objectivation maximum réussie. Ainsi, je connais les gestes, les pensées qui définissent ces hommes. L'exotisme est une des formes de cette simplification. Alors, je trouve ça euh, vraiment intéressant. Comme, euh, comme texte et oui le texte est euh, disponible dans les sources vous, voyez, vous verrez en pdf donc euh, quand vous allez sur mes sources ici il y a le PDF dans les pièces jointes euh, racisme et culture mon petit surlignage <coughs> je ferme ça hop voilà donc là on est sur, sur le texte et je le trouve passionnant parce que en fait ce qu'il explique ici c'est que euh, c'est que finalement le, le régime colonial ne, met, ne fait pas qu'écraser la culture mais en fait, ils sauvegardent des bouts de culture. Donc c'est ça qu'on appelle l'exotisation, euh, qui va définir comme, euh, comme vraiment traditionnel en fait. Et donc les gens enfermés dans cette tra dans traditionalisme, qui en fait est défini par euh, le cadre de colonial, euh, sont bloqués et apathiques dans le sens où ils peuvent plus s'ouvrir vers le monde puisque leur culture est bloquée parce que tout ce qui pourrait rentrer dedans euh, serait vu comme euh, en fait une perte de la traditionnalité. Et donc, euh, donc en fait pour les pour pour maintenir l'authenticité du euh... ouais tu peux mettre le lien si tu veux euh, grandeur noire sur YouTube qui en parle je sais pas si elle en parle ou pas tic ah ouais ok grandeur noire sur YouTube je sais pas si euh... je sais pas si, si elle en parle ou pas je, je connais pas je connais pas une vidéo qu'elle aurait fait dessus mais en tout cas je, ce que je voulais dire c'était que euh, elle euh... donc en gros les les gens sont comme bloqués dans une euh, dans une culture qui a été définie en fait contre eux dans le sens où ils ne peuvent plus euh, ouvrir la culture vers l'extérieur et piocher des choses ailleurs, puisqu'ils sont... ils doivent correspondre à ce qu'on appelle traditionnel. Et, et pour Fanon, ça, c'est une entreprise du, de la culture coloniale, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je trouve que c'est assez intéressant comme idée. Et, euh, et ça renverse un peu les idées reçues qu'on a sur les questions, genre sur qui sont les penseurs décoloniaux et autres, et euh, qui est France Fanon. Et ça, ça mène un peu de complexité dans, dans tout ça. Voilà, tac, tac. Et on revient à notre article. Donc on l'a on dit, hein, Fanon a, a utilisé le terme racialisation, il l'a défini dans les années de la Terre, et ensuite ce sont les sociologues britanniques qui l'ont utilisé, et c'est à partir des Britanniques qu'il a voyagé vers les États-Unis. Donc il y a quand même un, un long euh, passage, et on sait qu'il y a les Black Panthers, par exemple, qui ont utilisé le concept de Fanon, euh, et puis il faut penser que Fanon était avec le FLN, et il y avait une époque aussi. Où il y avait des liens avec l'URSS, plein de choses qui se passent qui font que. Je dis pas que Fanon était avec l'URSS. Hein, mais juste, c'était une époque où les idées circulaient euh, beaucoup dans tout le monde. Parce qu'il y, y avait tout le monde qui essaie de s'influencer sur la question de décoloni se décoloniser, etc. etc. Artie Frédéric, extraordinaire comme vision, ça éclaire énormément. Bah super. Franchement, aller lire ce texte, c'est passionnant parce que franchement, il décrit trop bien le racisme systémique. Il décrit trop bien la manière dont euh, la question raciale bascule vers la question de la culture. Et en même temps, il y a cette autocritique de l'enfermement dans le traditionalisme. Et je trouve ça trop trop intéressant. Alors. Je, je lis un petit peu, vous êtes exotique et vendeur, restez-le. C'est exactement ça. JDB, euh, c'est très intéressant cette idée d'enfermer dans des boîtes. Ouais. Ticam donne les détails pour la vidéo que je puisse transmettre. Et Jellybee, structure tyrannique qui refuse la transformation, cycle vie, mort, mort, vie. Et je crois qu'il y a un peu Achille Mbembe qui doit parler de ça, je suis en train de lire son texte de la post-colonie, euh, mais, euh, mais je n'ai pas encore fini donc je ne me prononce pas. Alors, euh, Bastamac demande, est-ce que la racialisation c'est comme les discriminations à l'embauche ou à l'accès au logement par exemple Et Saramazouz répond, c'est une des formes, il y en a d'autres. Philomena Essed, une chercheuse néerlandaise originaire du Suriname, a travaillé sur le sort des femmes noires très diplômées aux Pays-Bas. Elle forge le concept de racisme ordinaire, everyday racism, en montrant comment à travers des blagues, des manières de dire et de ne pas dire, le racisme et le sexisme continuent d'avoir des effets sociaux lourds. Toutes ces manières d'exprimer du racisme et de le mettre en œuvre l'air de rien constituent la racialisation Et donc là, on va ouvrir euh, une petite page sur Philomena Essed. Qui est-elle Parce que là, on nous a dit c'est Philomena Essed, chercheuse néerlandaise euh, qui a travaillé, qui a forgé le concept de everyday racism. <coughs> Et donc c'est cette dame là. Hop là. Philomena Johanna Maria Essed. C'est une euh, Google rare. <laughs> Alors ça, je, je ne sais pas lire ce, ce terme. En critical race gender and leadership studies euh, de ah oui parce que là c'est écrit en, en néerlandais c'est pour ça je me disais qu'il y avait un problème bon il y a une version allemande mais elle n'existe pas ni en anglais ni en français mais en gros c'est une professeure euh, qui est spécialiste de d'études de euh, de critical race et gender studies euh, et dont je vais vous montrer tout de suite euh, qui c'est comme ça ce sera plus simple elle a donné une conférence qui est disponible sur Canal U, donc Canal Universitaire, euh, de l'Université de la Côte d'Azur. Donc, elle a donné une conférence sur le racisme quotidien, donc Everyday Racism, et la, la culture du clone dans l'éducation. Alors, c'est un concept qu'elle défend, et vous allez voir, euh, je vais en parler un tout petit peu après. C'était en 2018 à l'Université Paris d'Hydro. Et je vous montre juste quelle tête elle a un petit peu, parce que. Euh... Parce que c'est intéressant de voir de qui on parle Comment elle s'exprime. Même si on va pas écouter vraiment ce qu'elle dit mais juste pour vous montrer. We continue to say more about cultural cloning and how the two relate. Um. Um. Well, lucky you it's all in French. Ah. Uh... So, um everyday racism is about the creation of hierarchies. Alors, elle parle pas dans son micro, c'est ça qui est un peu embêtant, <coughs> mais, mais vous voyez un petit peu l'ambiance de, de la personne, quoi. Comment elle, comment elle est et qui c'est, voilà. Je trouve ça toujours bien de voir les gens physiquement, comment ils s'expriment. Euh, et donc, vous pouvez écouter l'ensemble du truc, c'est en anglais, 47 minutes, c'est pas trop long, et elle parle du racisme euh, quotidien. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Comprendre le racisme quotidien une théorie interdisciplinaire. Et vous pouvez trouver le livre, enfin, un certain bout du livre sur Google Books. Alors, je ne suis pas forcément fan de Google, mais euh, au moins, là, il y a le livre qui est euh, en partie disponible. Et donc, voilà, vous avez quelques, quelques morceaux, la, la préface, euh, voilà, quelques, bou quelques bribes du livre qui sont accessibles gratuitement. Et le chapitre 1. Et voilà, je vous laisse checker ça. Et le lien est toujours sur mon Trello, comme d'hab'. Et il y a un article qui est sorti aussi, qu'elle a écrit, euh, qui a été traduit par Brigitte Marek, qui s'appelle Racisme et préférence pour l'identique, du clonage culturel dans la vie quotidienne. Et donc ça revient un peu sur le même, euh, la même idée qu'elle développait donc, dans la conférence à, enfin, à, à Paris-Dhydro. Euh, mais là, vous pourrez le lire gratuitement, accessible, et puis je vous, je vous laisse checker. Euh... C'est <coughs> assez intéressant. Ça, c'était pour parler de Philomena et Et là, je vais faire une petite pause parce que il y a, j ai, j ai, cette semaine, j'ai été voir euh, Lenny Mbunga, qui est un, un humoriste et qui m'a donné un jeu de, de ce jeu de cartes qui s'appelle Histoire Noire, 54 cartes éclairs, et euh, que j'ai du coup là. Et mais comme il y a un truc vert, comme vous voyez sur le truc, et eh ben du coup, ça fait que mon, mon fond vert, ça, ça, ça disparaît. Ça fait un côté un peu nacré que j'aime bien, n'empêche. Et du coup, je vais juste tirer une carte et la lire. Parce que je trouve ça cool. Donc, c'est des cartes qui sont. Euh, qui, qui donnent euh, à connaître, à découvrir des personnages noirs de l'histoire. Euh, et, et qui expliquent un peu leur histoire. Alors, je bats les cartes. Et on va voir sur qui je tombe. Il y a plein de gens que je ne connais absolument pas dans ce jeu de cartes. Alors, moi, ça me, ça me donne des petits cours d'histoire en même temps. Et comme c'est écrit sur la, la boîte, apprendre en jouant. Oh, bah là, je tombe sur le Black Panther Party. Bah, je connais déjà le Black Panther Party, donc on va prendre une autre carte. Nelson Mandela, je connais aussi. Bon, alors, attendez, je, je, je remélange. Hop là. Je connais, je les connais. Bon, on va lire quand même Malcolm X. C'est celui sur lequel je suis tombé. Le 8 de cœur. Qui est né en 1925 et mort en 1965. La carte nous dit Malcolm X, par sa personnalité, son parcours de militant et sa destinée, incarne aujourd'hui encore les frustrations et les espoirs de la communauté afro-américaine. Il s'est redonné aux siens leur dignité perdue suite à 400 ans d'esclavage et plus d'un siècle de discrimination raciale, d'une violence inouïe. Pour Malcolm X, les droits humains et civiques des Noirs étaient inaliénables. Ces derniers se doivent de les reconquérir au sol, sur le sol états-unien et partout ailleurs dans le monde. Comme il le dit dans un de ses célèbres discours qui s'appelait By Any Means Necessary et qui veut dire par tous les moyens nécessaires. Il est assassiné le 21 février 1965. Des sympathisants de la Nation of Islam, dont il a fait partie pendant un temps, seraient à l'origine de cet acte très certainement instrumentalisé par le gouvernement états-unien et le FBI. Alors, c'est un personnage intéressant, Martin... euh, Malcolm X, excusez-moi, j'ai dit Martin. Malcom X, c'est un personnage intéressant et je vous conseille d'aller checker. Il y a une série Netflix qui est sortie. Bon, euh, je ne veux pas non plus trop faire de pub pour Netflix, mais qui s'appelle Qui a tué Malcom X et qui revient sur euh, les auteurs potentiels de l'assassinat de Malcom X, qui seraient en fait des personnes de Nation of Islam, donc des personnes noires, euh, afro-musulmans, euh, dont il était euh, le porte-parole à la base en fait. Et ça explique comment il y a eu plein de conflits internes à la communauté afro-américaine qui, qui ont été instrumentalisés par le FBI et tout. Mais euh, ça, ça montre une histoire vraiment complexe en lien avec euh, l'assassinat de Malcolm X et du coup c'est intéressant à, à comprendre quand même. Euh, alors merci pour le stream et toutes ces sources, je regarderai la vidéo, la VOD aussi. Inès, bah salut Inès, bonne soirée. Et j'y vais, je regarderai la fin en VOD. Merci encore pour la qualité du contenu que tu proposes, c'est top. Merci Jellybee. À bientôt. Tikam, je ne trouve pas sur la chaîne. Alors voilà, ça c'était pour vous faire la petite pause. C'est pas vraiment une pause, mais bon. On continue à lire. Et quand certains parlent d'idéologie racialiste, donc on lui pose la question à Sarah Mazouz, quand certains parlent d'idéologie racialiste, et elle dit que ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. L'expression idéologie racialiste est utilisée spécifiquement dans le débat français. C'est une espèce de concept fourre-tout qui permet d'abord de disqualifier les personnes que l'on met sous ce label. Les groupes politiques antiracistes qui dénoncent un racisme structurel, et les chercheurs qui travaillent sur la racialisation. Ce terme sous-entend qu'essayer de pointer les logiques de racialisation pour déjouer le racisme participerait au renforcement du racisme. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est que des trucs comme ça dans ce, dans ce jeu, de toute façon. Là, c'est que des, des inversions tout le temps, tout le temps. Donc elle dit que en gros, quand on essaie de pointer la racialisation et de travailler sur ça, donc avec des études critiques de la race... En fait, on, on participerait au renforcement du racisme. Ça, c'est ce que disent les gens qui utilisent le terme idéologie racialiste. Alors qu'on l'a bien vu, par exemple, quand Fanon parle de racialisme, euh, c'est pour, euh, pour dénoncer le racialisme, pas pour revendiquer le racialisme. Et les gens qui, qui utilisent le terme s'inspirent souvent de, de Fanon, entre autres. Qui parle d'idéologie racialiste Il ben, y a pas mal de monde, et je vous conseille d'aller checker d'ailleurs ce que ces personnes disent. Il y a eu Le Point qui a fait un une une euh, assez surprenante qui s'appelait Les Nouveaux Fanatiques, Indigénistes, Déboulonneurs, Gauche racialistes Écriture Inclusive. Alors il y a toujours ce truc où ils mettent écriture inclusive dans le lot. Alors qu'ils sont censés que parler de questions de race et ils mettent écriture inclusive. Il faudrait qu'ils mettent au moins moitié-moitié, euh, je sais pas. Et ensuite ils ont fait donc euh, <coughs> ce petit édito là, là. Paru sur le point, dans lequel vous pouvez voir euh, en fait une vidéo. Euh, Enfin, réalisé par l'Observatoire du décolonialisme et des idées et des idéologies identitaires. Bon, je zoome un peu pour que vous voyez. Et je, je tiens à le montrer parce que je pense qu'il faut euh, être exigeant quand on parle de questions euh, du racisme, etc. Et que du coup, il faut s'intéresser à ce que disent les gens qui critiquent. C'est... Euh, il faut toujours inclure l'écriture inc inclusive pour pas l'exclure. Ça, ça c'est beau. Ça, c'est beau. Merci, Gabriel. C'était parfait. <laughs> Euh, et du coup, euh, je trouve qu'il faut, il faut toujours s'intéresser à, à voir ce que disent les, les contradicteurs et contradictrices. Et pour le coup, les gens de, euh, de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires se donnent vraiment de ouf. Donc je vous conseille d'aller voir leur site. Ça vous donnera une bonne idée d'où en est la, bah, la critique contre le décolonialisme, contre le postcolonialisme, contre tout ça. Et par exemple, si on regarde leur, leur site, ils publient vraiment tout le temps, tout le temps, tous les jours. Là, ils ont fait un article qui s'appelle Bon point décolobs". Madame Nona Meyer élue demain à la présidence de Sciences Po Paris. Bon, il parle de, euh, de la présidence de Sciences Po Paris qui serait peut-être donnée à une femme euh, qui s'intéresse aux questions décoloniales. Et donc, euh, bon point, félicitations, vous avez un bon point décolonial. Ils sont un peu dans ce genre d'humour. Euh, tyrannie décoloniale, le colonialisme, cet autre virus qui frappe la France. Euh, L'histoire à reculons. Bon, je voulais se checker, mais en vrai, ils ont beaucoup, beaucoup d'audience euh, et de rayonnement, euh, et ils font beaucoup de de communication euh, contre le décolonialisme, etc. En disant que que ce sont des idéologies identitaires. Bon, ce qu'on a vu de à la fois de Colette Guillaumin et de françois non qui étaient un peu des, des structures, euh, ne, fin, des, des figures structurantes, euh, laisse penser que c'est pas du tout identitaire. Mais après, il faut voir comment est-ce qu'on s'approprie ces idées aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, il y a des, des, des dérives identitaires, mais je crois pas que ce soit majoritaire euh, de toute façon. En tout cas, je vous encourage à aller voir ce qu'ils disent, parce que je pense que c'est important. Et il y a d'ailleurs l'Express qui a sorti un dossier spécial, des coloniaux obsédés de la race, woke, enquête sur les nouveaux sectaires. Vous allez voir qu'il y a toute une batterie de trucs, c'est toujours ça. Euh, les nouveaux trucs, les nouveaux je ne sais quoi, les nouveaux... Euh, voilà, c'est toujours le même, le même bail, quoi. Des coloniaux, obsédés de la race, woke. Et là, vous avez une enquête. Non, euh, merci l'Express. Euh, voilà. Qui est disponible sur leur site. Et qui est assez, euh, ouais, assez surprenante de, de méconnaissance sur certains points des sujets qu'ils traitent. Mais il y a quand même quelques, quelques vraies critiques que je vous conseille de lire. Mais je vais pas prendre mon temps pour le lire ça ici. Mais vous pouvez le faire. Et je pense que je ferai d'autres vidéos où je prendrai le temps de lire. Justement, un, euh, un des articles, peut-être celui-ci d'ailleurs, mais je sais pas, peut-être un autre, on verra. En tout cas, je vous encourage vraiment à aller checker parce que je pense que c'est important d'avoir de la contradiction. Donc, on a dit ce ne sont pas du tout les mêmes qui parlent d'idéologie racialiste, sont ceux ce sont ceux-là. Qu'est-ce qu'une assignation racialisante Un autre terme. C'est une expression que j'ai forgée dans mon travail de thèse. Donc, ça, c'est Sarah Mazouz qui parle, hein, c'est pas moi. C'est un geste qui consiste à enfermer quelqu'un dans une position inférieure et à le réduire à une seule dimension de ce qu'on suppose être son identité. C'est le fait de réduire quelqu'un à un trait qui le racialise. Ça, c'est ce qu'on appelle assignation racialisante et que donc elle a développé dans son travail de thèse qui s'appelait <coughs> La République et ses autres, politique de l'altérité dans la France des années 2000. Publié aux éditions ENS euh, à Lyon en 2017. Donc, ça, je vous conseille d'aller checker. Et là, on lui pose la question comment penser que les juifs. Non, c'est on lui demande est-ce que c'est comme penser que les juifs gagnent beaucoup d'argent parce que certains banquiers sont juifs, entre guillemets Ou penser que les afro-descendants auraient le rythme de l'impôt, entre guillemets Ou penser que les Roms adopteraient des modes de vie extrêmement différents des nôtres, entre guillemets on lui demande est-ce que c'est ça, l'assignation racialisante Et elle répond non. Là, ce sont des clichés racistes. L'assignation racialisante peut se manifester par des clichés, mais aussi de manière plus implicite et plus subreptice. Donc en gros, plus implicite, plus douce. Dans son livre Race, elle prend l'exemple d'une personne qui est d'origine marocaine et fonctionnaire de préfecture, responsable à l'égalité homme-femme. Elle explique, donc cette, cette femme, cette femme d'origine marocaine, explique que dans ce contexte qui se pense comme universaliste et républicain, et indifférent aux différences, donc, sa position de femme maghrébine rend difficile son travail. Quand dans le cadre de sa mission, elle cherche par exemple à défendre les femmes sans papier, on soupçonne, on soupçonne sa trop grande proximité avec ces personnes. Elle décrit aussi une scène où, lors d'une réunion avec ses collègues, est évoquée Laïd El-Kebir, ou Aïd el-Adha, désolé pour l'accent, hein, l'une des plus importantes fêtes musulmanes et le sacrifice rituel. Alors tout le monde se tourne vers elle comme si elle avait une compétence particulière, alors que cela ne fait pas partie de ses attributions et qu'elle ne se définit pas spécialement comme musulmane. C'est cela l'assignation racialisante qui peut aussi partir de bonnes intentions. C'est la différence avec le préjugé raciste. Il n'y a pas forcément une haine consciente. Mais il y a quand même la réduction de quelqu'un à ce qu'on pense être le très pertinent de son identité. Je ne sais pas si vous avez, euh, si vous avez bien euh, saisi la différence entre cliché raciste, préjugé raciste, donc, et euh, assignation racialisante. Donc l'un, c'est quelque chose qui se fait euh, pas forcément avec haine, mais, euh, mais qui se fait je, de manière, euh, voilà, comme si c'était naturel. Ah oui, puisque tu dois, tu as ce, finalement, ce très pertinent, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça le bail et eh ben, du coup, tu dois sûrement savoir ça ou faire ça, etc. Alors que dans l'autre cas, c'est euh, un cliché raciste où vraiment, ça arrive avec une idée de hiérarchie, etc. Quelque chose de très, beaucoup plus négatif. Je regarde. Il y a Marianne aussi dans le lot qui veut créer une, une panique, effectivement. Malheureusement, la critique est presque toujours de mauvaise foi. C'est plus que pénible à lire, oui. Les critiques sont vraiment de mauvaise foi, mais il y a quelques critiques qui parfois sont euh, intéressantes, ou au moins... Sont tellement de mauvaise foi que vous trouvez facilement comment les déconstruire et ça peut servir dans des débats euh, ensuite. Donc je vous conseille quand même de les lire. Sur Twitter, il y a Pando, Pandovstronik qui déconstruit souvent les articles et discours de ce type. Trop bien. Il est bon sur le découpage de ce qui est dit oui, tout en étant référencé. Alors je dis un peu ce que vous dites hein. oui, le très pertinent ou le racisme ordinaire, sachant que racisme porte une sémantique bien plus négative. Yes. Et merci pour 13 Oui, effectivement, y a... vous pouvez aller sur le Discord et contribuer au partage et à la réflexion. Euh, et du coup, le Discord, c'est une plateforme euh, forum. Et vous pourrez envoyer des liens euh, voilà, et partager des articles, etc. D'ailleurs, 13bis a partagé l'article en entier, euh, ce, cet article de l'Express. Et c'est trop cool, j'ai pu le lire comme ça. Que recouvrent les travaux <coughs> critiques de la race c'est ce qu'on le demande à Sarah Mazouz. Sarah Mazouz. répond Cela recouvre un champ très large. Travaux critiques de la race signifie que la notion de race est utilisée de manière critique, non pas en adhérant à la définition qu'en a produite le racisme, mais en l'utilisant justement pour déconstruire les logiques d'assignation raciale. Cela fait également référence à un courant particulier aux États-Unis, plutôt cantonné aux travaux juridiques. Qui s'appelle la Critical Race Theory. Des chercheurs, des chercheurs et juristes africains américains ont d'abord posé la question du recrutement au sein des universités de droit prestigieuses, de professeurs africains américains ou issus d'autres minorités. Et plus largement, l'idée est de prendre le droit comme un lieu de cristallisation des rapports de pouvoir et d'y recourir pour faire évoluer les choses, c'est-à-dire recourir au droit pour faire évoluer les choses. Alors histoire y ait plus je t'ai partagé aussi le Figaro mais c'est pas la gloire. Ah super parce qu'il y a un article qui est paru sur le livre racé mais ça je vais en parler tout à la fin du live et ouais c'est vraiment pas la gloire de ce que j'ai vu pour l'instant c'est dur c'est dur. J'aurais aimé avoir euh, voir des critiques plus construites franchement. Alors la critical race theory euh, qu'est-ce que c'est puisqu'on nous a parlé des travaux critiques de la race qui s'inspirent de la critical race theory. Critical race theory c'est <coughs> un courant de recherche militant Focalisé sur l'application de la théorie critique aux relations entre race, loi et pouvoir. Il est né d'une rencontre entre le champ de la réflexion universitaire et l'action pour les droits humains. Elle comprend la race comme construction socio-juridique et socio-politique, ce qui en fait un courant constructiviste, un peu comme ce que disait tout à l'heure Colette Guillaumin. Elle critique notamment l'égalitarisme ignorant la couleur. C'est-à-dire que ce courant, Critical Race Theory, critique le fait d'être colorblind, colorblind, donc que je vois pas les couleurs, qui soutient que pour réaliser la justice sociale, il, ne faudrait, il faudrait ne tenir en aucun compte les distinctions raciales. Ainsi, les théories critiques de la race opèrent un déplacement de l'attention prêtée aux préjugés et attitudes intentionnellement racistes. Vers des processus sociaux considérés comme créateurs d'un racisme inscrit dans les relations et les pratiques sociales qui dépasseraient les volontés individuelles. Donc là, je, je réexplique un peu cette phrase parce que c'est un peu bizarre, mais en gros, ils disent que les théories critiques de la race ne s'occupent pas vraiment des, des manifestations du racisme violent de type euh, l'insulte raciste, etc. Mais s'intéressent plutôt aux processus sociaux plus globaux, plus larges, donc ce qu'on appelle un peu racisme structurel, etc qui font qu'il y a du racisme dans toutes nos relations sociales, peu importe nos couleurs de peau, etc., et dans plein de relations aussi juridiques, et qui dépassent donc les volontés individuelles, puisque c'est des racismes inscrits dans les cultures et dans nos, nos habitudes sociales. Voilà un peu pour la Critical Race Theory. Ça, c'est basé sur Wikipédia, bien sûr, il faudrait regarder des gens qui ont défini ça beaucoup mieux, beaucoup plus précisément, et pour ça, vous pouvez aller voir un peu les références qui sont citées ici, qui ne sont pas en grand nombre. On peut voir que l'article français est très 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 pauvre, mais l'article anglais est bien plus euh, construit. Donc si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aller checker euh, ça en anglais. Je pense que vous aurez un peu plus d'infos. Donc on nous a parlé de Critical Race Theory. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est dans, plutôt dans le champ de la justice. Et dans ce champ-là, il y a eu le livre La race tue deux fois de Rachid Abrahim, qui a été publié euh, en février donc, euh, 2021, il y a un mois et qui est assez intéressant et qui étudie justement la manière dont euh, la question de la race, juridiquement, est visible ou invisible euh, en France. C'est-à-dire qu'elle elle rend compte qu'on ne va pas reconnaître de crime raciste, par exemple, parce que le motif raciste, comme la loi ne voit pas les couleurs, c'est difficile de, dé de déterminer un crime raciste. Mais par contre, on va pouvoir voir, des euh, par exemple, le fait qu'il enfin, y, y a des politiques et des lois qui sont mises en place euh, pour, euh, enfin, spécifiquement pour les personnes euh, du type des migrants, etc., et qui sont en fait liées à une, cou une couleur de peau. Et du coup, comment ça se fait que la, la loi permet de voir, entre guillemets, les couleurs de peau dans un cas et pas dans l'autre Elle explique un petit peu, elle essaie de déconstruire tout ça euh, dans son livre, La race tue deux fois, et elle a donné plein d'interviews qui sont assez intéressantes que je vous conseille d'écouter. Là, c'est sur le média, ça dure 34 minutes, et c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Hop là. Et euh, elle nous a parlé aussi donc je vous montre ça parce que voilà donc là on a parlé de, de critical race theory. C'est à ce courant que la juriste Kimberley Crenshaw appartient. C'est elle qui a forgé le concept d'intersectionnalité. Il permet d'analyser la situation spécifique des personnes qui se trouvent soumises à des formes plurielles et croisées de domination. <laughs> la notion d'intersectionnalité sert donc à complexifier l'analyse de la domination en montrant deux choses principales. D'abord, être femme et noire vous fait subir des rapports de pouvoir différents de ceux que les femmes blanches subissent, mais aussi de ceux que, dont les hommes noirs pâtissent. Ensuite, l'articulation de plusieurs rapports de pouvoir ne se confond pas nécessairement avec une addition de handicap. Par exemple, être une femme noire ou arabe vous soumet moins au risque de contrôle de police. Donc, tout ça pour dire que, ok, c'est une question d'intersectionnalité. De, des rapports de domination, mais euh, c'est pas juste tu es dominé euh, partout, tout le temps. C'est-à-dire que tu peux être dominé à des endroits, dominant à d'autres endroits, et le fait d'être dominé ne veut pas dire que tu vas être autant dominé que d'autres personnes sur tous les plans. Enfin voilà, c'est un truc euh, complexe et, euh, et pas, pas du tout absolu. Et donc, qui est-ce qui pense ce concept d'intersectionnalité C'est Kimberly Crenshaw, qui est cette dame-là. Là voilà, ça vous l'avez vu. Née en 1959 à Canton, mais c'est aux États-Unis, c'est une féministe américaine majeure de la Critical Race Theory. Elle est juriste et professeure à la UCLA School of Law et à la Columbia Law School. Elle est spécialisée sur les questions de race et de genre, ainsi qu'en droit constitutionnel. Donc là, c'est vraiment spécifique à la législation américaine. Elle est également la fondatrice du Center for intersectionality and social political policy studies de la bref, bref bref présidente du Center for Intersectional Justice basé à Berlin particulièrement connue pour avoir développé et popularisé le concept d'intersectionnalité alors je vais vous la montrer tout de suite ce sera plus simple que de trop développer sur elle elle nous explique justement rapidement le concept d'intersectionnalité euh, en 1 minute 50 sur the national association of independent schools. Je vous laisse intersectionality is just a metaphor for understanding the ways that multiple forms of inequality or disadvantage sometimes compound themselves and they create obstacles that often are not understood within conventional ways of thinking. About anti racism or feminism or whatever social justice advocacy structures we have. Intersectionality isn't so much a grand theory. It's a prism for understanding certain kinds of problems. African American girls are six times more likely to be suspended than white girls. That's probably a race and a gender problem. It's not just a race problem. It's not just a gender problem. So I encourage people to think about how the convergence of race stereotypes or gender stereotypes might actually play out in the classroom between teachers and students, between students and other students between students and administrators and commit themselves to understanding that as a way of intervening and providing equal educational opportunity for all students, regardless of their identities. Identity isn't simply a self-contained unit. It is a relationship between people in history, people in communities, people in institutions. So schools do a good job when they understand that and when they commit themselves to Curricular development to opportunities in the school for all students to understand the histories that have brought us to this particular moment. You can't change outcomes without understanding how they've come about. So independent schools can take the lead on that to be responsive to their student populations and to the communities out of which the students come. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la manière dont elle s'exprime et dont elle définit euh, l'intersectionnalité. Alors, ah, il y a des gens qui n'ont pas le son. Ça a coupé certaines personnes. Désolé. Tout va bien avec le son ici. Alors, merci pour celles et ceux qui répondent et qui réagissent. Désolé pour celles et ceux qui n'ont pas eu le son correct. Je vous résume rapidement. C'est en contexte vraiment américain. Sa manière de parler de communauté, etc. C'est. Alors, ah oui. Salut Gmund Freud. Je sais pas si tu disais salut bonjour ou si tu disais salut le son fonctionne j'avais pas compris et du coup euh, ce qu'elle qu nous dit c'est que euh, pour elle il faut prendre en compte euh, le alors une minute trente pour définir c'était génial ouais. <laughs> c'était rapide et efficace <laughs> il faut prendre en compte en gros l'histoire et les, les réalités sociales de chaque communauté justement et pas se focaliser sur une seule histoire et, euh, et mélanger enfin euh, voilà enfin je sais pas comment je veux pas reparaphraser ce qu'elle a dit euh, parce que je vais beaucoup moins bien le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser réécouter euh, l'interview, si ça vous intéresse. Les liens sont, euh, sont sur mon trello. Et moi, je vais continuer à lire parce qu'il y a encore beaucoup à lire. Et voilà, si ça vous intéresse de, de comprendre un peu plus profondément, il euh, y a le Bibliops qui a fait euh, une, une interview assez poussée, enfin assez poussée, assez longue, suffisamment longue pour avoir des sources et des, des petites infos, quoi, sur Kimberly Crenshaw. Et, euh, et je vous laisse checker ça. Pareil, les liens sont dans mon trélo. Et hop là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une femme vraiment euh, vivante euh, actuellement. Quoi. Et donc, c'est à elle qu'on lit tout le courant intersectionnalité qui est aujourd'hui très critiqué par les anti-décoloniaux, anti-féministes, etc. Et tout ça pour dire aussi que c'est aussi une afro-féministe et que cette, euh, cette dimension féministe est très très importante dans sa manière de penser les choses. Donc, on l'a vu, il y a Colette Guillaumin. Et Kimberly Crenshaw, et, euh, et mince, j'ai oublié son nom, Philomena Essed qui sont toutes les trois, euh, qui partent d'abord de questions liées au genre et, à, et au féminisme, euh, pour, euh, pour développer des analyses qui ensuite touchent les questions de racisme, etc. Pourquoi parler de critique de la race et non de critique du racisme Bonne question. Alors, je vous recommande de regarder Le droit d'être américain sur Netflix un épisode qui en parle. OK, je connaissais pas mais je vais je vais checker ça. Merci Christa Van gogh. Alors pourquoi parler de critique de la race et non de critique du racisme je Pose la question à Sarah Mazouz et elle répond parce que justement, cela va au-delà de la question du racisme. Ce n'est plus le racisme dans sa forme idéologique, violente et agressive. C'est plutôt pointer la façon dont le racisme structure l'air de rien les prises de position les décisions, des réglementations qui paraissent neutres à première vue. Je pense que là c'était assez clair. On lui demande ensuite quelle est la différence Ça, c'est une question très importante, vraiment très importante. S'il y en a qui font des clips de, de, du Twitch, n'hésitez pas à, cliquer, à clipper cette partie. Quelle est la différence entre études postcoloniales et pensée décoloniale Alors Sarah Mazous dit il s'agit de, de courants de recherche différents, qui n'ont pas les mêmes auteurs et qui n'apparaissent pas dans les mêmes pays. Les auteurs à l'origine des études postcoloniales sont par exemple l'historien indien Dipesh Chakrabarty <coughs> ou le palestino-étasunien Edouard Saïd, qui est né en 1935 et mort en 2003, professeur de littérature. L'idée du postcolonialisme, en fait, c'est de penser le moment qui vient après l'époque coloniale et de voir s'il existe une continuité dans les représentations héritées de la période coloniale. Edouard Saïd met notamment en évidence Comment la représentation que nous avons de l'Orient est en fait le produit de la tradition orientaliste et qu'elle a donc été créée par l'Occident. À partir de ce travail critique, l'enjeu est alors pour ces travaux de provincialiser l'Europe, c'est-à-dire de décentrer l'analyse en étudiant notamment l'Europe du point de vue de ses autres espaces et de mettre ainsi en lumière ses propres points aveugles. Alors ça c'est pour la pensée postcoloniale. Et je vous, je vous montre euh, du coup qui sont Dipesh Chakrabarty et Edouard Saïd. <coughs> Dipesh Chakrabarty, c'est ce monsieur, le voilà, qui est toujours euh, vivant, né en 1948 à Calcutta. C'est un historien indien, je zoome un peu, qui a contribué aux études postcoloniales et aux subaltern studies. C'est un ancien historien marxiste, professeur distingué d'histoire à l'Université de Chicago et le récipiendaire, donc il a reçu le prix Toynbee en 2014, nommé d'après le professeur Nathan Toynbee, reconnaissant les chercheurs en sciences sociales pour leurs travaux académiques et leurs contributions publiques à l'humanité. Alors d'ailleurs, dans ces, dans ces textes les plus connus, il y a justement le texte « Provincializing Europe, Postcolonial Thoughts and Historical Difference ». Bon là, je l'ai très mal dit, désolé pour l'accent, mais j'ai un peu la flemme de le faire bien. Et je vous ouvre un autre onglet où vous voyez le livre <coughs> qui s'appelle donc Pro « Provincialiser l'Europe ». Ça fait partie des livres références du courant postcolonial, donc écrit par un, un historien indien qui a étudié aux états unis C'est pour vous dire déjà quand on dit « le truc vient des états unis tout le temps euh, », il y a quand même des choses à un peu nuancer. Et le voici d'ailleurs euh, physiquement. Je vous conseille de, de lire un peu cet article, donc c'est publié sur le site de l'ENS. Euh, Voici physiquement en conférence à ENS. It's been a great privilege to be here and to have be been invited to come and address you. Um, sadly, in India, as you know, the French tried to colonize India but didn't succeed. Uh, the English did, so we all speak English. Uh, I wish we'd been colonized by the French. <laughs> then I would have spoken fluently in French. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu l'humour de notre, de notre cher Deepesh Chakrabarti qui dit qu'il aurait aimé que l'Inde soit colonisée par les Français et pas par les Anglais. Puisqu'il est obligé de parler en anglais, le langage du maître, et qu'il aurait préféré parler en français, puisqu'il est là dans une conférence face à des étudiants français. Vous voyez un petit peu l'humour du bonhomme. Mais en tout cas, c'est lui qui a écrit le livre Provincialiser l'Europe, euh, et, euh, et qui est une des figures euh, importantes du mouvement postcolonial. Et alors, attendez, je lis un peu vos trucs. Vos messages. Oui, mais ils connaissent rien au terme, suffirait qu'un seul journaliste qui fasse bien son taf leur demande ça veut dire quoi Intersectionnel, et il bredouillerait tous ces gens. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez lu le livre Racé de Rachel Kahn qui est paru récemment et ou l'article du Figaro Alors comme euh, on disait tout à l'heure, l'article est disponible, euh, il est sur le, le Discord, tu peux le retrouver sur le Discord. En tapant même point d'exclamation Discord, euh, le, le lien apparaît. 13 bis, comme ça tu sais la prochaine fois, j'ai fait une commande pour ça. Et tu peux aller le lire. Et j'ai pas encore lu le livre, mais, euh, mais, mais pour l'instant je l'ai vu en interview, on va en parler à la fin. Mais c'était pas glorieux. Moi ce que j'ai vu, ça m'a... Je trouvais ça plutôt triste, mais bon, c'est mon avis personnel. Donc là, on a vu notre ami Dipesh, et maintenant, il y a aussi Edouard Saïd, qui est un des pense... enfin, le deuxième penseur important du postcolonialisme, euh, qui est un universitaire théoricien, littéraire et critique palestino-américain. Il a enseigné de 1963 jusqu'en 2003, à sa mort, la littérature anglaise et la littérature comparée à l'université de Columbia à New York. C'est un des auteurs de nombreux livres de critique littéraire et musicale et il a beaucoup écrit sur le conflit israélo-palestinien et sur le Moyen-Orient. Euh, son ouvrage le plus célèbre, c'est L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, qui a été publié en 1978 et traduit en français aux éditions du Seuil. L'ouvrage eut un retentissement international et fut traduit en 36 langues et il est considéré comme un des textes fondateurs des études postcoloniales. Du coup Edouard Saïd, son texte euh, disponible aux éditions du Seuil, je vous conseille de checker. Si moi je ne l'ai jamais lu en entier, mais j'ai déjà, euh, déjà vu des bouts, enfin lu des bouts, et assisté à des, à des conférences dessus avec décoloniser les arts, c'était intéressant. Mais euh, voilà. Et sinon pour voir Edouard Saïd lui-même, je vous montre juste quelques secondes de Saïd sur une conférence qu'il a donnée en. en 93. Euh, non, pas en 93. La conférence, il la donne, je ne sais plus quand, mais à partir d'un euh, livre qui s'appelle The Clash of Civilizations, qui a été lui écrit en 93, euh, et donc là vous voyez vite fait Edward Said comment il s'exprime. Donc il le critique l'idée d'un clash des civilisations. nationalist passions and therefore nationalist murderousness. Shouldn't we be asking the question why is one doing this sort of thing? To understand or to act? To mitigate? Or to aggravate the likelihood of conflict. voilà c'est un universitaire comme beaucoup d'autres c'est juste pour vous montrer le personnage en action il n'y a pas beaucoup de vidéos que j'ai trouvé de lui en fait euh, correctement genre j'ai rarement trouvé une interview complète bien filmée de lui quand je tape edward said euh, je sais pas genre euh, je trouve je trouve des trucs qui sont montés je sais pas vraiment quelle est la source c'est bizarre ou alors c'est des trucs en voilà en images euh, fixe mais voilà mais en tout cas c'est ce monsieur c'est pas lui du coup, mais c'est celui qui apparaît là. Voilà. Ça, c'était pour Édouard Saïd. Ça, c'était pour la question post-coloniale. Hein. On est d'accord Donc, c'est après la colonisation, comment euh, on, on fait avec, dans, comment dire, avec la postérité de la colonisation, en fait, finalement. Et maintenant, on va parler de la question décoloniale, qui est autre chose. Comme elle l'a dit, il y a une différence entre les deux, puisqu'ils n'ont pas les mêmes auteurs et n'apparaissent pas dans les mêmes pays. Donc là, c'était plutôt un indien qui, qui a fait ses études aux États-Unis et un palestino-états-unien qui a aussi fait sa carrière aux États-Unis. Et maintenant, les autres, pour les décoloniaux, les auteurs à l'origine des études décoloniales sont quant à eux sud-américains. Il s'agit par exemple du sociologue péruvien Annibal Quillano, du philosophe argentin Walter Mignolo ou du sociologue portoricain Ramon Grosfogel. Les études décoloniales gardent des travaux postcoloniaux la démarche qui consiste... À interroger l'hégémonie culturelle de l'Occident, donc ils arrivent après les post-coloniaux. Mais ces recherches se concentrent <coughs> sur la structuration géopolitique du savoir, le fait que certaines zones géographiques sont hégémoniques dans la production de connaissances et ignorent les savoirs ou les productions scientifiques constituées dans les espaces dominés. Des auteurs majeurs européens et états-uniens sont ainsi lus dans d'autres parties du monde, mais l'inverse n'est pas vrai des auteurs importants d'Amérique latine ou d'Afrique demeurent méconnus. C'est une façon de montrer que la géopolitique du savoir est elle-même tributaire d'une histoire coloniale. L'enjeu est donc d'essayer de décoloniser le savoir en mettant en lumière des travaux qui n'ont pas été produits dans les zones colonisatrices, mais plutôt dans les espaces anciennement colonisés. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux euh, mouvements, mais en tout cas pour euh, approfondir un peu ça, je vous parle des trois personnages qu'elle a cités hannibal Quiano, dont j'ai déjà parlé dans un autre live, euh, qui est ce monsieur? aussi un universitaire comme on en voit dans tous ces courants. qui est né dans la province de yungay, <coughs> qui est donc euh, au pérou, c'est un sociologue et théoricien politique péruvien, professeur à l'université d'état de new york à binghamton, et membre du groupe modernité-colonialité. c'est intéressant à checker si ça vous intéresse, ces histoires. Il développa le concept de colonialité du pouvoir et son œuvre reste fondamentale autant au sein des études décoloniales et de la subalternité. Ça c'est Hannibal Kiano, euh, son livre, enfin son texte qui s'appelle Race et colonialité du pouvoir, c'est euh, passionnant. Alors comme ce que fait Malcolm Ferdinand par exemple. Effectivement, Malcolm Ferdinand qui a écrit Une écologie décoloniale que j'ai là d'ailleurs. Je le montre comme ça. <coughs> qui a écrit le livre Une écologie décoloniale. Euh, et qui s'inscrit vraiment dans cette logique-là, du coup, dans la logique donc plutôt tracée par ce courant-là de pensée, tout en s'inspirant bien sûr des post-coloniaux, mais il s'inscrit plutôt euh, dans, voilà, dans la logique de ceux -là. Et dans ce texte-là, par exemple, qui explique un peu l'idée de race et de colonialité du pouvoir, qui est une des idées fondamentales du mouvement décolonial, la colonialité du pouvoir, ça veut dire comment le pouvoir co politique n'est peut-être plus officiellement euh, un empire colonial ou colonial mais à garder dans sa structure euh, des pratiques coloniales et donc une colonialité. C'est ça l'idée de, de ce terme, colonialité du pouvoir, qui est central pour la, la, la pensée décoloniale. Et quand on lit ce texte, par exemple, que je vous encourage à aller checker, il y a une partie que je trouve intéressante et où il dit ce qui est réellement remarquable, en revanche, c'est que pour la majorité écrasante de la population mondiale, y compris les adversaires et les victimes du racisme, l'idée même de race, comme un élément de la nature, ayant des implications pour les rapports sociaux, elle se maintient quasiment intacte depuis ses origines. Là, il dit un truc. Euh, on n'était pas prêts là. Dans des sociétés fondées sur la colonialité du pouvoir, les victimes se battent pour établir des rapports d'égalité entre les races. Celles qui ne le sont pas, du moins directement, peuvent admettre volontiers que les rapports entre races soient démocratiques, même si ce ne sont pas exactement des rapports entre égaux. Cependant, si on examine le débat à ce sujet, y compris dans les pays où le problème s'est posé avec le plus d'intensité, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, c'est seulement à titre exceptionnel et très récemment qu'on trouve des chercheurs ayant remis en question, au-delà du racisme, l'idée même de race. C'est selon euh, Hannibal Kiyano. La notion selon laquelle la race est un phénomène de la biologie humaine, ayant des implications nécessaires pour l'histoire naturelle de l'espèce, et donc pour l'histoire des rapports de pouvoir, <coughs> est bien enracinée, persistante et quasiment universelle. C'est ainsi qu'on pourrait expliquer l'exceptionnelle efficacité de cet instrument moderne de domination sociale. Néanmoins, il s'agit d'une construction idéologique nue qui n'a littéralement rien à voir avec la structure biologique du genre humain, et tout à voir en revanche avec l'histoire des rapports de pouvoir dans le capitalisme mondial, colonial, moderne et eurocentré. Donc selon lui, en tout cas selon Kiano, qui publie cet article en 2007, selon lui en fait, l'idée de race n'a pas réellement disparu des, des idées et est toujours crue, enfin bon, plusieurs personnes croit toujours à cette, à cette idée de race finalement, même parmi les antiracistes. Ça nous montre aussi qu'il y a toujours une complexité dans les idées euh, décoloniales, tout le monde n'est pas... Euh... Enfin, par rapport à ce que les détracteurs veulent dire, je vous conseille de lire ce texte et vous allez voir qu'il y a plein de complexités qui sont... qui sont riches à creuser. Voilà pour Kiano. Alors on a commencé le live depuis... Oui, ça fait deux heures. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors... Mais on a encore un peu à lire. Vous allez voir. Bonjour. Vous êtes dans une revue des coloniales. Je vous à partir si ça vous dérange. Oui, effectivement, si tu, ça t'intéresse pas les, les idées des coloniales. Mais, mais je trouve que c'est intéressant. Tu devrais checker ce que, ce que, ça veut dire, en tout cas, et quelle est la différence avec post colonial et autres. Alors Walter Mignolo. Walter Mignolo euh, est un sémiologue argentin et professeur de littérature dans l'université de Duke aux États-Unis. Il est connu comme l'une des figures centrales du post-colonialisme latino-américain. Et comme un membre fondateur du groupe Modernité-Colonialité. Donc, lui, il a d'abord une approche post-coloniale, puis euh, il devient un auteur fondam fondamental pour les décoloniaux aussi. Bon, je vous laisse checker euh, ce qu'il qu raconte. Mais au niveau de comment il l'est, bah, je vous montre euh, comment il s'exprime se, et tout, un petit peu rap très rapidement. Hein. Voilà le monsieur. Voilà, c'est Walter Mignolo, donc une des autres grandes figures euh, de la question décoloniale. Et par exemple, il y a un article qui s'appelle « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale », qui est paru, donc qui est disponible sur le site Kern, que vous pouvez aller lire, euh, qui est aussi dans les sources que j'ai mis sur mon trello, hein, comme d'hab'. Et donc là aussi, il va expliquer un peu, revenir sur cette notion de colonialité du pouvoir, qui est vraiment importante pour la pensée décoloniale. Et pour finir, Ramon Grofogel, dont on a cité, j'ouvre tous mes trucs comme ça, hop, c'est vite fait, qui est le, le troisième penseur qu'elle a cité, qui est né à Porto Rico en 1956. C'est un sociologue portoricain appartenant aussi au groupe Modernité-Colonialité, donc il faut vraiment que vous intéressiez à ce groupe. Les analyses sont considérées comme appartenant au courant décolonial, qui se présente comme l'évolution du courant postcolonial. On se croirait dans un truc de Pokémon, mais bon. Alors Ramon Grosfoga, il a écrit par exemple un texte dans, euh, qui s'appelle Vers une décolonisation des universalismes entre guillemets occidentaux, et il propose le pluriversalisme décolonial. Euh, ça, je vous laisse approfondir, parce que l'article est malheureusement payant, 4 euros, mais je vous laisse le soin de le trouver. Et donc lui, il explique, dans cette proposition, il vous proposer un exemple de critique décoloniale en prenant soin de la différencier de la critique postcoloniale et en centrant le propos sur les débats autour du concept d'universalité. Donc si ce genre de truc vous intéresse, allez checker son article qui est paru dans un, dans un ouvrage qui s'appelle Rupture postcoloniale, paru en 2010, où vous trouverez aussi des textes d'Achille Membé, Françoise Vergès, euh, Ahmed Boubecker, France Florence Bernot, Nicolas Blancel ou Pascal Blanchard. Qui sont pas tous et toutes des, des personnes qui ont toujours gardé les mêmes, les mêmes idées aujourd'hui. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant quand même de checker. Moi, je suis grave chaud d'acheter ce, ce livre, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un peu fondateur dans toutes ces idées-là. Et là, vous voyez le sommaire euh, qui, est, qui est disponible. Mais, mais la majorité des articles sont payants, malheureusement. Et donc, Ramon Grofogel, juste pour vous montrer un peu le bonhomme, euh, c'est lui, il fait des lives dans sa chambre, c'est un ouf il y a un mois. Euh, voilà, il donne des conférences euh, il est assez, assez énergique comme personnage. Je, je, vous montre... je vous montre juste un mini extrait de comment il se... comment il parle quoi muchos que la démocratie libérale, qui est une forme particulière de démocratie, est celle que l'Occident a desarrollado. Mais il y a d'autres formes de démocratie dans d'autres parties du monde et dans d'autres lieux où ne passent pas nécessairement par les mêmes structures. Voilà, donc là, vous avez un peu le, la manière dont se, se comporte Ramon Grofogel, qui est donc euh, un des penseurs de l'idée de décoloniale. Et du coup, ça, tout ça pour, euh, pour vraiment préciser le fait que... Euh, que, que c'est des penseurs euh, d'Amérique du Sud qui ont pour la plupart eu des postes en Amérique du Nord, mais quand on dit les idées décoloniales, etc., viennent d'Amérique, vous voyez que c'est un peu plus complexe que ça. Euh, là, c'est l'Amérique du Sud, et du coup, il faut vraiment le comprendre aussi par rapport au contexte en Amérique du Sud, c'est-à-dire que c'est des pays qui ont été décolonisés depuis longtemps, mais qui conservent des politiques extrêmement racistes et extrêmement euh, ancrées dans, dans la manière dont l'État est construit. Et du coup, c'est du, du fait de pouvoir analyser ça ils en sortent la théorie décoloniale. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre les éléments de la théorie décoloniale, par exemple en Europe, notamment en France. Il faut voir justement comment on l'interprète, comment on, on voit les différences aussi qu'il y a entre le contexte sud-américain euh, de décolonisation, enfin pseudo-décolonisation euh, d'il y a plus de deux siècles, et le contexte français, par exemple. Et là, je vous montre un autre article qui s'appelle Décoloniser les études postcoloniales et l'économie politique, transmodernité, pensée décoloniale et colonialité mondiale, qui est paru... Sur le site QGD Colonial, qui a été traduit de, de l'anglais ou de l'espagnol, de l'espagnol, je crois, euh, qui a justement été écrit par euh, Ramon Grossfogel. Donc, euh, c'est un texte hyper long et un peu complexe. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de, de le lire en entier. Mais si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aller checker ça. Voilà. Et donc, on passe à une autre question. Qu'est-ce que le refoulé colonial Selon Sarah Mazouz, c'est une expression métaphorique qui reprend la notion de refoulé chez Freud. Quand on ne parle pas de quelque chose, quand on le refoule, à un moment, cela réémerge à la conscience. Dans le cas français, comme on n'affronte pas directement l'histoire coloniale et, le, et que le travail de reconnaissance des conséquences de cette histoire n'est pas mené à son terme, cela demeure un passé qui ne passe pas, un passé refoulé. Et donc ça, c'est effectivement un... Quelque chose de, de problématique, euh, c'est qu'en France, on a vraiment beaucoup de mal à parler de l'histoire coloniale jusqu'à très récemment. Là, on a vu, c'est la première fois qu'il y avait un documentaire sur France 2 en, en prime time, euh, réalisé par euh, Pascal Blanchard, qui revenait sur les décolonisations et l'histoire coloniale française. Mais sinon, c'est très très rare qu'on arrive à en parler. Alors, je dis un peu... <coughs> toc, toc, toc. Ah oui, mais en fait, je ne vois pas votre chat. Bonjour, on en parle ici, bienvenue. Heureusement qu'ils sont là, mais il y a... Des trucs à lire. Merci, euh, merci Trevis pour la modération. <coughs> Alors, je continue à lire. Cela se manifeste comment, ce refoulé colonial Eh bien dans le cas... Alors attendez, je lis... Ah oui voilà. Je voulais juste vous montrer vite fait. Donc ça c'est un peu pour revenir sur euh, des coloniaux obsédés de la race woke, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, les nouveaux sectaires. Euh, c'est un peu ce truc-là de la... quand la question... Du, du passé colonial a du mal à revenir et ben on a des articles comme celui-ci. Moi je pense qu'ils sont la conséquence directe de ça en fait. Euh, mais bon, ça je vous laisse, je vous laisse le checker. Franchement, lisez le le dossier de l'Express, c'est intéressant. Comment cela se manifeste Dans le cas français principalement par une forme d'anxiété sur la délimitation du groupe national. Des polémiques portant sur qui en fait partie ou non, qui est légitime ou non, alimentent ainsi constamment les, politiques médiati les polémiques médiatiques et politiques. Cela s'exprime également dans une difficulté à prendre avec sérénité les débats sur la manière de faire société, en reconnaissant que les groupes racisés y ont une place pleine et entière. Les débats autour des statues à déboulonner ou des noms de rues à changer illustrent qu'il reste à penser comment faire société et inclure dans le roman national des personnes françaises descendantes d'esclaves ou de colonisés, en étant à l'écoute de ce que les membres de ces groupes disent. Et le débat n'est pas à trancher de manière simpliste entre soit tout déboulonner et tout effacer, ou plutôt tout garder comme si de rien n'était. L'urgence, c'est plutôt de réfléchir ensemble à la manière dont certaines statues sont à déboulonner, ou certains noms à changer, et surtout de penser collectivement comment l'histoire des violences liées à la traite ou au colonialisme puisse être marquée et rappelée dans la topographie urbaine. Vous voyez qu'elle propose quand même une idée assez complexe. Elle n'est pas juste ouais on déboulonne tout, ou bien ouais on garde tout pareil. Et d'ailleurs, elle en parle très bien sur, sur RCJ. Je vous mets un dernier extrait de, de ce qu'elle dit. 11 minutes 30. Euh, attendez, 11 minutes. Où elle parle un peu de cette histoire de, dé, de déboulonnage, justement. Collective Désirée, qu'est-ce que vous en pensez L'histoire, c'est un outil des sciences sociales ou au contraire, c'est. <laughs> c'est un rebut non non au contraire c'est capital euh, je l'ai dit au départ euh, à chaque fois quand on travaille sur les logiques de racialisation euh, on est attentif au contexte historique euh, et on ne, une société ne racialise pas euh, à une époque euh, enfin de manière pérenne de la même manière. Euh, donc non non bien sûr c'est capital de replacer euh, ne serait-ce que pour penser les catégories qui sont mobilisées pour racialiser et raciser c'est important de replacer ça dans le contexte historique on racialise pas aux États-Unis aujourd'hui de la même manière qu'on racialisait à l'époque de la ségrégation on racialise pas en France aujourd'hui comme on racialisait à l'époque coloniale par exemple même en métropole euh, après je pense que ce qui se ce qui apparaît aujourd'hui avec la question des statues à des c'est davantage une question de mémoire et de politique de la mémoire qu'une question de discipline historique. Même si bien sûr, les historiens sont là pour éclairer. Je crois que ça pointe de chaud. Ça pointe sans doute euh, le manque de travail de reconnaissance fait par les États euh, de, du passé euh, esclavagiste de certaines figures euh, importantes. Et je pense après que euh, des statues, il y en a qui sont à enlever, d'autres qui sont à garder, mais qu'en tout cas, ce qu'il ne faut pas du tout euh, supprimer, c'est l'explication, euh, le, la, la mise en place de repères historiques, d'expliquer même pourquoi, en fait, de, par exemple d'enlever une statue, mais d'expliquer de, qu'il y a eu cette statue et pourquoi on l'a enlevée. Mmh. Je crois qu'il n'y a pas du tout, enfin euh, en tout cas, il ne faut pas chercher à faire table rase, parce que faire table rase, c'est ouvrir la voie. Encore à d'autres euh, excès et à un oubli qui sera porteur euh, d'autres euh, catastrophes. Oui, et, et... voilà un peu pour les idées de Sarah Mazouz par rapport à cette histoire de, dé de déboulonnage éventuel. Et vous voyez que elle est quand même dans une position assez apaisée par rapport à ces questions et qui veut vraiment euh, se baser sur euh, voilà sur une écoute de ce que les gens ont à dire dans la société dans laquelle on vit, qui est la France, quoi. Alors. Euh... <laughs> Ah oui, on a carrément des, euh, des haters euh, vénères qui arrivent. Très bien. Et, euh, et juste pour dire, il euh, y avait quelqu'un qui demandait, qui posait une question tout à l'heure. Pourquoi pseudo-décolonisation concernant l'Amérique du Sud Vous allez trop vite pour moi. Alors je ne sais pas si c'était une vraie question par rapport à moi, mais moi je n'ai pas parlé de pseudo-décolonisation en Amérique du Sud. Euh, ah si, j'ai dit pseudo-décolonisation. Ah oui, c'est parce que. Alors j'explique pourquoi j'ai dit ça. C'est parce que, en fait, euh, par exemple, si vous prenez le cas du Brésil. Il y a une décolonisation, euh, enfin il n'y a pas eu vraiment de décolonisation du Brésil, puisque c'est la couronne portugaise qui s'est transformée et scindée en deux. Donc c'est-à-dire qu'il y a une, une partie de la couronne portugaise qui a pris son indépendance par rapport à l'autre partie de la couronne portugaise, mais il n'y a pas réellement eu de. Il y a pas ré réellement eu de décolonisation euh, concrète. Et donc ça dépend des États d'Amérique du Sud, mais certains États n'ont pas forcément été décolonisés totalement, ou alors la, dé la décolonisation a été gérée de manière très très bizarre et le pouvoir est resté... Entre les mains de personnes qui étaient d'anciens colons au final. C'est ça que je voulais dire par pseudo-décolonisation d'Amérique du Sud. C'était pour répondre à la question d'avant. Euh, et donc là, on va continuer à lire. Voilà. Comment comprenez-vous le terme indigéniste Alors elle dit que c'est un terme très franco-français qui fait référence au Parti des indigènes de la République créé en 2005. Il est également devenu un terme fourre-tout qui sert à disqualifier toute position qui pointe le racisme structurel en France. Son usage révèle, relève, euh, révèle souvent l'ignorance de celles et ceux qui l'utilisent. Par exemple, quand certains confondent intersectionnalité et indigéniste, c'est faux et c'est commettre un contresens. Là, on a bien vu, intersectionnalité, c'était Kimberley Crenshaw plutôt qui vient des États-Unis, et l'indigénisme, on va voir ce que c'est juste après, qui vient du Parti des Indigènes de la République, c'est deux choses différentes. Les indigènes de la République, à ma connaissance, ne défendent pas une démarche intersectionnelle puisqu'ils partent du principe qu'il faut d'abord régler la question du racisme et des discriminations raciales et qu'une fois cette question réglée, on pourra traiter la question du sexisme que les femmes racisées peuvent subir de la part des hommes racisés. En ce sens, le primat accordé à la classe par une vision marxiste old school est ici transposé à la question raciale. C'est-à-dire que ça, c'est dans le cadre des indigènes. Pour les indigènes, en fait, ils remplacent l'importance de la classe par euh, la question raciale. Selon Sarah Mazouz, c'est ce que font les indigènes de la République. Alors que la démarche intersectionnelle, elle, elle analyse et critique les effets croisés et simultanés du genre, de la classe et de l'assignation raciale. Alors vous allez voir qu'en général, quand il y a des critiques contre les décoloniaux, en fait, ce sont des critiques adressées spécifiquement aux partis des indigènes de la République. Et souvent, on confond tout pour dire en fait pour critiquer les euh, les euh, voilà les théories du, du parti indien de la république que je vous laisse checker pour vous faire aussi une idée de ce que c'est euh, qui avait publié donc euh, donc ils ont une, un site où ils expliquent un peu qui ils sont etc et euh, ils ont aussi surtout un appel qui est l'appel fondateur de leur mouvement qui avait été signé par pas mal de monde quand même et qui était public en 2005 et voilà qui donnait un petit peu l'idée de, de, de ce qu'ils allaient euh, et ce qu'elles allaient euh, proposer. Et en fait, c'est souvent ce parti spécifiquement avec Ourya Boutelja qui en était le porte-parole et qui l'est plus, euh, qui est souvent celui qui est visé en fait par les critiques. Et donc, il faut bien faire la différence, les, le parti des indigènes de la République, ce n'est pas nécessairement euh, le même, la même idée que les intersectionnels, ni que les décoloniaux de manière générale. Enfin, le courant décolonial est très large, il vient pas du tout de France, enfin, il vient plutôt d'Amérique du Sud, comme on l'a vu mais il y a aussi des Français qui s'en emparent, mais à différentes échelles, tout le monde n'est pas connecté en réalité au, au pire en fait. Et donc voilà, ça c'est un truc intéressant à voir quand vous allez voir des critiques, souvent en fait c'est spécifiquement contre ce groupe. Euh, voilà. Et c'est bien ce qu'elle dit ici. Elle dit ces différences de position ne sont pas visibles dans le débat médiatique où indigénistes recouvrent quantité de choses. Les recherches critiques de la race, les études intersectionnelles ou les travaux des coloniaux. En somme, ce terme en dit plus sur l'incompréhension et le manque de rigueur de ceux qui l'utilisent que sur la réalité de ses positionnements. Ensuite, là, on a, on a quand même bien traîné. Là, il est 21h06, ça fait 2h. Alors, je vais essayer de faire encore 30 minutes max. Mais je pense que je peux aller plus vite pour la fin. Alors, no parce qu'on trouve les mécanismes, genre le colorisme. Je pense qu'il va falloir que je revienne sur cette chaîne. Mais Super. Alors, je vois qu'il y a eu des des bannes, c'est destructeur pour l'ignorance. Il peut être pertinent de s'exprimer. Alors, au vu de ce que je vois, c'est limite pas l'ignorance, c'est de la volonté. Donc je crois que ça fait aussi partie de l'affaire. Ah oui, donc là, vous avez un débat sur quelqu'un qui a été banni. <coughs> J'ai l'impression de manger du brownie au ketchup. Euh, je pense que tu t'arrêtes à la surface des choses. C'est un positionnement important à creuser. Fais gaffe à la voix. Alors, ah, ah oui, peut-être qu'il y a un problème. Euh... J'ai un problème de voix, c'est ça que vous dites On n'entend on entend pas trop. J'ai pas exactement compris ce qui se passe dans le chat, j'ai pas trop tout suivi. Alors, je continue. Qu'est-ce que l'universalisme abstrait Ah oui, la voix cassée. Ouais, c'est vrai, il faut, faut que je fasse gamme-femme à ma voix. Mais je crois que là, c'est bon. Normalement, euh, j'ai encore pour 10-15 minutes et puis on a fini. Alors dans le contexte actuel et dans le débat politique français, le concept d'universalisme abstrait il sert à décrire la façon dont les révolutionnaires de 1789 ont pensé la manière de produire plus d'égalité. On sort alors d'un régime hiérarchisé entre les nobles le clergé et le tiers état où l'on héritait de sa position sociale avec un système de privilèges pour certains et de paiement des impôts réservés aux autres. L'universalisme abstrait propose de dépasser cela donc c'est spécifique à la situation qui était française et de ne plus prendre en compte les affiliations individuelles pour définir la position sociale. L'État ne considère que des citoyens, <laughs> abstraction faite de leurs leur différences. L'eau, ça a tout réglé. Je ne pensais pas que c'était si puissant. <laughs> C'est balaise l'eau, hein toujours bord de l'eau. Pourtant, les apories de cette lecture en matière d'égalité se font jour rapidement. Dès la Révolution, L'universalisme abstrait exclut en fait les femmes et les noirs de la citoyenneté. On pourrait dire qu'il n'y a pas que les noirs qui sont exclus, hein, il y avait aussi des, des personnes colonisées en Asie, etc. Ce qui suppose que le citoyen abstrait est un homme blanc. Aujourd'hui encore, on est confronté à cette aporie. L'abstraction sert à recouvrir des positions de domination de classe, de race et de genre. En outre, le problème est que celles et ceux qui pensent réaliser cette exigence d'universalité abstraite se sentent en droit de particulariser. Et donc d'assigner celles et ceux qui leur paraissent différents. Pour reprendre un exemple cité précédemment, l'employé préfectoral dont je parlais va ainsi être particularisé du fait de l'origine marocaine de sa famille par des, par des collègues qui se pensent toutes et tous comme indifférents à la couleur. Là, je pense que c'était assez clair. Est-ce que dans son livre Race, elle revient sur ce dont elle parle dans l'interview justement bah, Je pense, j'ai pas lu le livre en fait justement. J'ai lu que l'interview et j'ai regardé ses interviews ailleurs, mais j'ai pas encore lu son livre. Mais il est assez court, je pense qu'elle revient dessus, ouais. <coughs> D'ailleurs, sur pas mal de streams, le chat est le protecteur des gorgées d'eau. Très bien. La réaction à ce terme. Alors, ah oui, que signifie privilège blanc Ah oui, ah non, alors attendez, d'abord, on parlait d'universalisme abstrait. Et je me dois de, faire, de, de, de citer quand même, il bon, y, a, y a une page Wikipédia que je vous enjoins d'aller lire, si ça vous intéresse, parce qu'elle est hyper longue, <coughs> donc elle explique un peu l'histoire de comment ça s'est construit, etc. Elle est hyper longue. D'ailleurs, on y cite notre ami Blaise Diagne. Il bon, y, a, y, a, y a même un passage sur la colonisation, ce qui est très rare, très rare dans les pages Wikipédia quand même. Euh, et je vous conseille aussi de regarder le, la fiche qui a été faite par le réseau Canopé, qui est un réseau de l'éducation nationale qui définit l'universalisme républicain, euh, donc voilà, qui est transmis, je pense, au professeur. Euh, voilà, ça fait une toute petite, euh, brève, euh, brève explication, mais intéressante. Et enfin, je vous, je vous partage quand même un article euh, de Marianne, même si je ne suis pas forcément un grand lecteur de Marianne, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut lire les gens qui sont pas forcément en accord avec soi, qui disent « Cessons de caricaturer l'universalisme républicain ». Et donc là, il propose euh, voilà, quelque chose qui dit qu'il bah, ne faut pas faire une caricature, tout simplement, euh, de, de l'universalisme républicain. Et je vous laisse lire, c'est un article assez long. Voilà, euh, je ne vais pas commenter ici, mais je vous laisse checker si ça vous intéresse. Et je pense que c'est important de voir ce que disent les autres personnes qui ne sont pas dans la même vibe. Et enfin, je vous, je vous conseille de checker l'article pour un universalisme antiraciste de Fatou et Julien Suodo, qui disent « L'antiracisme est un engagement quotidien pour un universel réellement républicain et une France capable de s'inventer un avenir en regardant son histoire coloniale en face. » Donc eux, ils proposent de résoudre la question de l'universalisme en proposant un universalisme antiraciste qui regarde son histoire coloniale en face. Et ils ont fait une proposition euh, voilà, intéressante à lire euh, ici, sur Slate. Pourquoi vous ne partez pas si vous ne sentez pas à l'aise en France Mais parce qu'on ne peut pas partir. Mais je continue à lire. Alors voilà, on continue, parce que là il y a un thème qui nous intéresse vraiment particulièrement, je pense qu'il peut vous intéresser en tout cas et qui est compliqué. Que signifie le terme privilège blanc Alors Sarah Mazouz dit la réaction à ce terme est emblématique de la façon dont on se crispe en France dès lors qu'un terme ou une expression vient des États-Unis. On se contente de répondre non, il n'y a pas de privilège blanc puisqu'il existe des blancs pauvres. Mais cette expression ne se réfère pas au positionnement socio-économique, mais à l'avantage dont on bénéficie dans les rapports de racialisation. En fait, personne ne conteste le fait qu'il y ait des blancs pauvres. Il n'en demeure pas moins que même si vous êtes un blanc pauvre, vous êtes avantagé par la manière dont les rapports de, ra de racialisation fonctionnent. Par exemple, dans les rapports quotidiens avec la police on pourrait dire la même chose du genre. En tant qu'homme, vous êtes privilégié parce que vous échappez à certains risques et à certaines assignations auxquelles les femmes sont structurellement soumises. Alors, pour revenir sur cette partie, qui est donc un, une partie assez, assez complexe, euh, alors je, je regarde en même temps, j'essaie de ne pas tout lire parce qu'il y a des trolls, mais aussi parce que sinon je vais perdre trop de temps pour finir l'article. Mais merci pour votre, votre réactivité de chat, ça a l'air intéressant. Pourquoi ne pas faire son entreprise si l'on se sent pas bien dans le salariat Et ouais, okay, Je vois que c'est par rapport à ce qu'il disait. Donc, la question de privilège blanc, je vous laisse checker. Il y a un article sur Wikipédia qui est plein de controverses, de réécritures, etc. <coughs> Mais qui essaie de donner une définition. Déjà, je vous laisse checker avec ça. Ensuite, il y a eu un, euh, un article qui est paru sur France Culture. Et qui essaye de réexpliquer l'origine du concept de privilège blanc. Donc, pareil, je vous conseille de checker ça euh, pour vous être euh, armé dans les futures discussions que vous aurez. Euh, voilà. Alors, les modos peuvent pas supprimer des messages ou mute sans dans leur pouvoir. Pourquoi même pas on a marre des hommes. Alors, je comprends pas exactement toutes les questions. Est-ce que les modos peuvent mute quelqu'un oui, les, les modos, normalement, peuvent supprimer et mute les gens. Je pense. Je crois que j'ai mis ce, cette option, en tout cas. Euh, ensuite, qui a inventé le concept de privilège blanc Eh bien, c'est une femme blanche qui s'appelle Peggy McIntosh et qui est cette dame qui est toujours en vie, si je ne me trompe pas. Je vérifie quand même, mais. Oui, elle est toujours en vie. Elle est née en 1934. Peggy Machin McIntosh. C'est elle qui a popularisé et créé le concept de, de privilège blanc. Et, euh, et là, elle l'explique. Alors, je, je fais juste deux petites minutes, quarante, euh, où on entend un petit peu... Enfin, je ne vais peut-être pas tout mettre, mais je vous, je vous laisse écouter rapidement ce que dit Peggy Washington. Euh, Peggy, euh, qu'est-ce que j'ai je... McIntosh, désolé. that people have to experience this when i never have i mean look at me i'm a lighter complexion so what is white privilege white privilege is advantage that i got from being born white in the culture that favors whites. Dr. Peggy McIntosh popularized the phrase white privilege more than three decades ago. She's an author, a scholar, and says it doesn't matter if you were born rich or not, white people in this country have an advantage. In a 1989 essay, she listed 46 ways being white has helped her. Some of my examples were if the cops pull me over, I can be sure it's not because of my. Skin color. Uh, I can go shopping alone pretty well assured that I won't be harassed or followed. If I need medical help or legal help, my race won't work against me. White privilege is mostly a matter of lack of awareness of the big system within which lighter people worldwide have been advantaged. And when talking about that system, she's talking about... Donc ça vous donne un peu une idée de comment elle comment elle en parle du privilège blanc qu'elle voit comme un un outil en fait pas de culpabilisation enfin vous pourrez voir d'autres d'autres de ses conférences elle a, enfin elle a fait des TED par exemple là elle a fait un TED sur comment l'étude des systèmes de privilèges peut renforcer notre compassion donc pour elle en fait l'idée de privilège blanc n'est pas forcément un truc moralisateur de culpabilité, mais c'est plutôt un truc qui permet de développer de l'empathie en fait envers d'autres groupes et c'est plutôt des, des réflexions d'empathie en fait c'est très lié à la notion d'empathie son, son, son explication de, du concept. Voilà, ça c'est pour vous donner une petite historicité du privilège blanc et j'avais aussi mis un, une vidéo de, de Brut qui avait filmé Rokaya Diallo qui s'exprimait. Ah non, ça c'était pour la, la phase d'après. Bah alors là, voilà, on passe à la phase d'après. Et à l'inverse, le racisme anti-blanc existe. Enfin, ouais, le racisme anti-blanc. Selon Sarah c'est un contresens. Non pas parce qu'il n'y aurait d'expression. Non pas parce qu'il n'y aurait pas d'expression de haine à l'égard des blancs. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il y a des expressions de haine à l'égard des blancs. Mais elle dit qu'il y a quand même. que c'est un contresens le racisme anti-blanc. Parce que l'expression rend systémi symétrique. Des conditions et des histoires qui sont différentes. C'est-à-dire qu'elle elle dit que l'expression racisme anti-blanc est un contre-sens parce que ça, ça crée une symétrie comme une, enfin une comme si c'était égal le, racisme, le reste du racisme et le racisme anti-blanc. Or, selon elle, il y a des conditions et des histoires qui sont différentes. Le racisme comme système politique d'oppression s'est fait au bénéfice de personnes définies comme blanches et aux dépens des autres. Là, voilà, on voit bien qu'elle parle de ce qu'on appelle racisme au sens occidental du terme, c'est-à-dire basé sur les idées de Arthur de Gobineau, etc., etc., Donc, qui est né dans le contexte colonial français, etc. Donc, je vous avais mis une interview de Rocay Diallo qui en parle, mais je vous laisserai l'écouter euh, de votre côté. Et je vous montre un truc, je sais pas, voilà, ça fonctionne sur Sciences Po. Il y a eu une, <coughs> un gars qui s'appelle Daniel Sabag qui a fait une petite explication euh, de la complexité liée au débat. Euh, sur le racisme anti-blanc en commentant en fait une phrase de Lilian Turam qui avait parlé de racisme anti-blanc euh, qui avait dit que ça n'existe pas je crois que c'est ça qu'il avait dit je sais plus corrigez moi si je me trompe en tout cas c'est publié sur un truc qui s'appelle Sciences Po euh, Research et que je connaissais pas du tout donc il y a un site de publication d'articles de Sciences Po <laughs> et donc je trouvais intéressant la fin en fait ce qu'il dit à la fin euh, il dit euh, reste un constat. En fait, ouais, bon, je vous lis peut-être pas tout, mais en gros, je vous conseille de lire parce qu'il il oppose plusieurs situations où il y en a certaines qui font vraiment penser à du racisme anti-blanc et d'autres euh, où, euh, où on se dit le racisme anti-blanc n'existe pas. Et donc, il arrive à, à expliquer que il y a plusieurs conceptions du racisme qui font que dans certaines conceptions du racisme, on peut parler de racisme anti-blanc et dans d'autres conceptions du racisme. Euh, on, ça ne veut rien dire de dire racisme anti-blanc. Et je trouve ça intéressant. Et du coup, je vous lis juste la, sa conclusion, il dit, c'est uniquement si l'on opte pour la troisième conception, donc le racisme systémique du racisme, et si on exclut entièrement les deux autres, que le racisme anti-blanc en vient à constituer une contradiction dans les termes. Mais pourquoi faudrait-il privilégier cette option plutôt que de s'en tenir à une approche pluraliste Le racisme est un phénomène multidimensionnel. Affirmer doctement que le racisme anti-blanc n'existe pas exige d'évacuer purement et simplement deux de ses dimensions principales. La fin ne justifie pas les moyens. Plutôt que de, se, de servir sur un plateau à l'extrême droite le tabou, qu'elle ne manquera pas de faire fructifier à ses propres fins, mieux vaut traiter l'existence éventuelle d'un racisme anti-blanc comme une question empirique et non comme une aberration. Selon toute vraisemblance, la Baudruche ne s'en se, dégonflera que plus aisément. Donc là, je vous conseille de lire ce qu'il dit dans cet article. Moi, Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est quand même intéressant à lire et voir qu'est-ce qu'il appelle, lui, les trois concepts de racisme, dont le racisme systémique serait un des trois. Et après, vous verrez comment vous vous positionnez par rapport à ces trucs, dans quelle école de pensée vous vous mettez. Ça, je pense que chacun est capable de se faire sa propre idée. Et il faut aussi que je vous parle encore, d'une fois, de la controverse. Très bon Kif Taras les Lilian Turam. Oui, c'est ça. Euh, parce qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Le racisme anti-blanc, ne pas en parler, un déni de réalité », et qui est paru, euh, je sais pas, aux éditions du Puits de Roule, qui était écrit par un gars qui s'appelle Tariq Yildiz, euh, que je vous conseille de checker, c'est un truc euh, 8 euros aussi du coup aussi court que le livre « Race » qu'on est en train de commenter. Et euh... Et voilà, et je vous conseille de, de juste checker euh, ce qu'il dit, parce qu'en fait, beaucoup de gens qui vont défendre l'idée de racisme anti-blanc se basent euh, sur, ce, sur ce livre, en fait. Donc voilà, ça vous permettra de, de voir un peu ce qui se dit de l'autre côté de la barrière, si on peut dire ça comme ça. Oups, et il y avait eu d'ailleurs, hop là, euh, une tribune au, au monde, où, on a, où ils avaient défendu les normes ficelles du racisme anti-blanc, où ils avaient défendu un petit peu, je crois, euh, c'est ça. L'expression utilisée par Jean-François Copé ou Tariq qu'ils disent dit la stigmatisation et empêche de penser à un vrai problème, déplore Olivier Estève, maître de conférence. Ah non, là il le critique le racisme blanc. Excusez-moi, je me suis embrouillé et c'est plutôt celle-ci alors. Douc, 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 douc. Voilà. Et dans ce dans cette interview, enfin dans ce, cet épisode de radio, dans cette émission de radio sur France Inter, vous avez euh, qui s'appelle Cause commune, tu m'intéresses, publié en 2012 sur le thème du racisme. Il y avait déjà un débat sur le racisme et la question du racisme anti-blanc, entre autres, où il y avait justement Rokaya Diallo, mais aussi Tariq Hildiz, qui était invité. Donc ça, euh, <coughs> je, vous, je vous conseille de checker, parce que c'était au moment où Il Hildiz avait publié justement Racisme anti-blanc, et où Rokaya Diallo avait publié Racisme Mode d'emploi. Donc euh, je vous conseille de checker tout ça. Et là, on a presque fini. Bien des gens se disent indifférents à la race avec une forme de color blindless aveugle à la couleur posit avec, ouais, de positive positive. N'est-ce pas bon signe Sarah répond Ce que vous décrivez comme une color blindless positive peut fonctionner de manière salutaire, à condition d'en faire une exigence permanente et non de croire qu'on l'a pleinement réalisée. N'est-on pas en train de s'en rendre compte d'assigner quelqu'un... Non, n'est-on pas en train, sans s'en rendre compte, d'assigner quelqu'un racialement ou de faire preuve de sexisme Cette question doit toujours se poser. Ça veut dire, peu importe la position dans laquelle on se situe, on doit toujours se demander est-ce qu'on n'est pas en train d'assigner quelqu'un racialement. C'est à cette condition, si la colorblindness fonctionne comme un idéal régulateur, qu'on peut espérer parvenir à une société plus égale et plus juste. Mais le problème en France et dans d'autres pays européens est qu'on pense que la société est déjà colorblind. Et dans ce contexte où on, pose, où on pense que la question raciale est complètement réglée, on a alors tendance à accuser de racisme celles et ceux qui pointent, et notamment qui pointent les processus de racialisation. Et là c'est vraiment la fin, voilà. La gauche française et européenne s'est construite autour du rapport de classe, le mouvement ouvrier, le monde du travail versus les, les détenteurs du capital. Comment la gauche, si tant est qu'elle demeure le camp de l'émancipation individuelle et collective, Peut-elle intégrer sur un même, même pied d'égalité l'émancipation face aux autres rapports de domination longtemps demeurés secondaires Domination de genre, par exemple, assignation raciste et injustice environnementale et bien Sarah Mazouz répond Je pense que oui, <coughs> à condition de ne plus penser qu'une fois que les inégalités économiques seront effacées, tous les autres problèmes seront réglés. C'est pourquoi la gauche doit se fonder sur une lecture intersectionnelle des inégalités. Qui n'accorde pas le primat à un rapport de domination sur un autre. Alors là, elle est très claire, Sarah Mazouz, elle se branche plutôt sur la question, euh, sur la logique intersectionnelle de kimberley Crenshaw, euh, en disant qu'il faut qu'il y ait une égalité, en fait, entre les, euh, voilà, en, entre les, les, différentes, euh, les différents rapports de domination. On ne privilégie pas l'un sur l'autre. La gauche doit défendre ainsi la constitution de coalitions ou de causes communes entre groupes opprimés. Accorder le primat à la classe ne, ne, ne suffit vraisemblablement pas. Je crois que la gauche doit parvenir à articuler trois pôles la redistribution économique, les politiques de reconnaissance et les questions écologiques ces dernières étant en fait le résultat de l'exploitation capitaliste et des inégalités produites par la domination raciale et coloniale. En tout cas, même si on est encore loin du compte, c'est déjà une bonne chose qu'on se mette enfin à parler de toutes ces questions à présent. Certes, c'est avec beaucoup d'imprécisions, mais on s'en empare de ces enjeux et on s'interroge. Et c'est ça que le débat soit ouvert et, et salutaire. Et voilà. J'espère que ça, que ça vous a donné, euh... enfin que <coughs> ce décryptage, cette petite, euh... toutes ces sources que je vous ai données, permettent de préciser un petit peu euh, toutes les idées. Euh... Toutes les idées qui sont liées à, ces, à ce vocabulaire, hein. race, racisme, racisé, privilège blanc, indigénisme, etc. Joli euh, touc. Gabriel, entre d'un côté les mets. La lutte de classe qui prime. C'est la race qui prime. C'est très embêtant de ne pas comprendre qu'on est au milieu d'une toile d'araignée. Unique avec plein de fils. Joliment dit effectivement. Bonjour. Avez-vous déjà parlé du billet de Lordon dans le monde diplôme Eh ben non, j'ai pas lu ce billet. <coughs> j'ai pas vu ce billet de Lordon. Je viens d'arriver. et eh ben, bienvenue, Babouf du 67. C'est la fin du live, malheureusement. On a fait, ça fait deux heures et demie là qu'on est en live. C'est un, un long live, mais qui j'espère était intéressant et enrichissant pour vous tous et toutes. Et pour finir, on va faire un quiz. Mais d'abord, il y a Rachel Kahn qui a sorti, qui sort son livre qui s'appelle Racée, qui vient de sortir il y a quelques jours. Et franchement, je me suis dit, c'est une femme, euh, voilà, euh, qui, qui, se, qui se définit elle-même comme afro yiddish euh, Racée. Pour faire un jeu de mots et faire une critique un peu humoristique du mot racisé. Et euh... alors genre un parti. Alors attendez, j'essaie de dire ce que vous dites parce que je vois pas tout. J'ai une question. Pourquoi les Noirs n'ont quasiment rien inventé Ah oui, bah, il faudrait que tu aies des sources effectivement sur ça. Genre une partie des opprimés qui se place au milieu d... entre féministes, antiracistes, écologie, anti-validisme, etc. Bah, après c'est compliqué de faire des parties. Euh... Des parties comme ça, quoi. C'est. Euh, euh, déjà, il faut, faut que les gens s'assemblent. Pour l'instant, on n'en est pas encore à l'intersectionnalité euh, dont Kimberley Crenshaw parle. Euh, et. Euh, donc, je disais, Rachel Kahn, qui se définit elle-même comme euh, afro-yiddish, qui a sorti un livre qui s'appelle Racé. Elle était l'invitée de euh, TF1, euh, du quotidien sur TF1, pour en parler. Et franchement, c'était. Euh, moi, j'ai trouvé ça. C'était de... Enfin, j'ai trouvé ça très faible. Euh, on... on avait l'impression qu'elle ne connaissait pas du tout euh, ce à quoi elle s'attaquait. Donc c'était hyper bizarre. Euh, et elle disait justement le mot racisé, c'est créé C'est un mot qui est là pour euh, enfermer les gens et les mettre dans des identités. Moi personne ne me racise, etc. Mais... Enfin, je vous conseille de regarder d'écouter ce qu'elle dit. Et je trouve ça. Enfin, j'étais assez déçu du coup, du niveau... Euh... De... et donc son livre est disponible sur les édi... aux éditions de l'Observatoire il est là et je pense pas que je vais le lire, enfin je sais pas, peut-être que je dirais des des comptes rendus, je sais pas exactement à moins qu'elle me l'envoie elle-même euh... mais, euh... mais elle, essaie de... elle essaie de proposer des trucs qui peuvent être intéressants je pense mais ce que je vous conseille de checker c'est de voir qui s'empare, enfin en fait qui la met en avant et vous allez voir que c'est euh... beaucoup des gens qui, enfin c'est des gens comme l'Observatoire du décolonialisme par exemple ou d'autres gens qui sont très très opposés en général aux idées décoloniales et aux idées postcoloniales et toutes les idées antiracistes en général en se prétendant être antiracistes. Enfin bref, c'est un truc un peu complexe, mais voilà, moi j'étais hyper déçu en tout cas pour l'instant. Et je vais voir, je vais regarder le truc du Figaro que t'as envoyé treize bis sur le Discord. J'espère qu'il y a des choses un peu plus construites. Par contre, en termes de critiques construites, avec laquelle je suis très en désaccord et je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Dans ce texte, mais quand même, je vous conseille de checker euh, le texte qui s'appelle La militantisation de la recherche et ses ravages, qui est paru euh, donc sur euh, l'Observatoire euh, du décolonialisme, donc euh, les ennemis hein, du décolonialisme, par Nathalie Heinisch, qui est connue pour s'être opposée au mariage pour tous, pour euh, s'opposer à l'écriture inclusive, etc. Mais, euh, et pour s'opposer du coup aussi au décolonialisme. Et. Euh... Et, et du coup, elle fait une critique euh, que je trouve pleine de mauvaise foi, mais qui est beaucoup plus construite que ce que j'ai vu à propos de, de Racé, du livre de Rachel Kahn. Donc je vous conseille de checker, parce que je pense qu'il faut de la contradiction. Et enfin, il y a une euh, interview, enfin un débat, entre... Euh, Enfin, sur la question justement genre race dictature des identités qui est, qui est proposée par LCP la chaîne parlementaire où ils ont invité euh, la sociologue euh, Sandra Logier enfin la philosophe Sandra Logier euh, pour débattre donc c'était la seule qui défendait le, la, la question un peu intersectionnelle etc pour débattre contre euh, Étienne Girard journaliste à l'Express qui a monté le dossier justement les décoloniaux enfin je sais plus c'est lequel des dossiers qui a été monté mais un des dossiers contre les décoloniaux contre aussi Xavier Laurence Al Salvador, qui est un des fondateurs de l'Observatoire du décolonialisme, et, contre, enfin, et, et avec une intervention de Louise Jussian, euh, qui était chargée d'études au département d'opinion à l'IFOP, qui n'était pas vraiment pour ou contre. Mais je trouve que c'est un truc assez intéressant, je vous conseille de checker, ça dure 35 minutes. Bon, le truc dure 50 minutes en tout, mais en fait il y a 35 minutes d'interview. Et, euh, et c'est un débat euh, plus construit et plus intéressant l'interview de Rachel Kahn sur euh, Le Quotidien où je trouve qu'elle s'est un peu ridiculisée parce que vraiment, euh, elle proposait rien de construit, quoi. <laughs> voilà, ça c'était pour vous faire euh, tout ça. Et c'est la fin de ce live sur euh, la race, le racisme racisé, privilège blanc, indigéniste. Mais pour finir, je vais juste vous faire un petit quiz parce que je pense que c'est un truc intéressant et comme ça je peux mieux lire aussi vos, vos commentaires. Alors, Euh... J'essaie de lire. On peut défendre ce point de vue en quoi Alors là, je vous... vous avez euh... vous avez euh... pas mal lancé trucs. Salut, salut Roger Soleil. Blackman's History. Check met tes Encore, on parle de société comme étant pharon. alors Si vous cherchez ce que les noirs les personnes noires ont inventé, il y a eu dans, ouais, dans le Black's History, il y a plein de et de, de, de présentations d'inventeurs de, ou d'inventrices noires, euh, de, de choses qui continuent à exister aujourd'hui, mais après il y a plein de choses qui ont été inventées par plein de gens de toutes couleurs de peau et qui ne sont pas euh, qui n'existent plus aujourd'hui, que ce soit des personnes blanches, noires ou autres, et une partie des choses qui ont été détruites euh, lors de l'histoire coloniale justement. Ça c'est pour répondre un peu à Chaton 3003. Et donc euh, sinon tu peux checker le replay effectivement où tu verras tout ce dont on a parlé. Euh, et si ça t'intéresse de creuser ces... toutes ces questions. Et pour finir moi le chat, fin, pour finir ce live, je vais juste vous faire un petit euh, quiz comme on fait d'habitude. Alors attendez, je cherche ma page. Hop, là. Quiz Kit. Et vous allez voir, on va, on va reparler de, de tout ça. <laughs> merci encore pour vos alors your quiz tac hop là normalement vous allez avoir les, les règles qui vont s'afficher pour celles et ceux qui sont encore là. C'est la fin du live merci de m'avoir euh, merci de m'avoir euh, accompagné pendant cette longue lecture. C'est en train de vous envoyer les règles normalement et vous pouvez euh, vous pouvez dire du coup le truc c'est de répondre le plus vite possible Il y aura trois questions. Vous devez répondre le plus vite possible aux questions et ça va vous donner des points. Donc euh, voilà. Je lance le jeu et vous allez voir. Top Qui a défini le terme racisé Est-ce que c'est Franz Fanon, Kimberly Crenshaw, Philomena Essed ou Colette Guillaumin On parle du, thème, du terme racisé. Qui a défini le terme racisé Normalement, vous devriez voir le, le petit jeu qui s'affiche sur votre écran ou sinon il est en bas dans la bio. Si vous êtes sur smartphone, vous ne le voyez peut-être pas tout de suite. J'attends les réponses. Et la réponse, Colette Guillaumin, vous êtes une majorité à avoir cliqué Colette Guillaumin. Effectivement, le terme racisé a été inventé, enfin a été inventé, popularisé, on va dire, par Colette Guillaumin. Philomena Essed, elle a plutôt parlé de racisme quotidien, « everyday racism ». Kimberley Crenshaw, elle, elle a parlé de, euh, de l'intersectionnalité. C'est elle qui a défini ce, ce concept et qui l'a popularisé. Et Franz Fanon, lui, c'est plutôt « racialisme qu » qu'il a défini. Voilà. Alors, ouais, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, bah, vous avez peut-être pas toutes les infos, mais comme ça, je vous réexplique en même temps. Prochaine question. 3, 2, 1, top !« Qui est Sarah Mazouz une journaliste de Bastamag, une sociologue chargée de recherche au CNRS, une militante décoloniale ou la créatrice du concept de privilège blanc. Vous avez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top Après, pas de souci pour les mauvaises réponses, hein. c'est ça, est, est ça qui est cool aussi. Hein. Et là, j'attends que ça me transmette les résultats. Answer, et vous avez bien répondu. Ce n'est pas une journaliste de Bastamag, en fait, c'est Yvan Duroy, qui est le journaliste de Bastamag qui a interviewé Sarah Mazouz. C'était bien une sociologue chargée de recherche au CNRS, le fameux CNRS auquel Christine Vidal veut demander une enquête sur l'islamo-gauchisme. Ce n'est pas une militante décoloniale particulièrement, hein, c'est vraiment une, une sociologue chargée de recherche au CNRS. Alors, elle s'intéresse à la question décoloniale. Je ne sais pas si elle, se... si elle est engagée dans des mouvements décoloniaux, mais euh, en tout cas, c'est pas comme ça qu'elle se présente. Et ce n'est pas la créatrice du concept de privilège blanc, puisque ça, c'est, on l'a vu tout à l'heure, celle qui a inventé le concept, c'est Peggy McIntosh, qui est une femme blanche américaine, qui a inventé le concept de privilège blanc et qui l'a popularisé. Prochaine question. 3, 2, 1. Les décoloniaux utilisent la notion de race au sens juridique, identitaire, social ou biologique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. J'attends les réponses. Alors, bien joué, vous avez majoritairement répondu, social. En tout cas, les décoloniaux <coughs> parlent de la notion de race au sens social, c'est comme ça qu'ils et elles euh, le présentent. Euh, certaines personnes ont cliqué identitaire. Euh, c'est vrai que leurs adversaires les accusent d'utiliser le, le, le terme de race au sens identitaire. Et ça, c'est un débat, en tout cas. Euh, c'est euh, pas la manière dont eux, euh, elles et eux le, le, euh, le définissent. Oui, il y a eu deux mauvaises réponses qui ont dit identitaire. Et l'ensemble des autres réponses, sont dit social ». Il n'y a pas eu biologique et juridique bien joué. Il y aurait pu avoir le terme juridique si on parlait d'intersectionnalité, puisque les Critical Race Studies, elles, parlent de, de la notion de race aussi au sens juridique. Voilà. Et bien, je montre les résultats finals. C'est Chakalzilla qui est le premier. Bien joué, Chakalzilla. Je ne sais pas c'est quoi ton, ton pseudo si tu parles dans le chat ou pas. Je ne me rends pas compte parce que je ne vois pas ton pseudo dans le chat, mais à chaque fois, je te vois en bonne position dans les, dans les, les quiz. Contestante 13, ah, ensuite j'ai pas vos noms. Contre tu es quatrième, bien joué. Amandzine euh, 7 Sophie 363, 6e, bien joué. Enessie Wayne, 8e, bien joué. Bertil 13, 12ème. Rokhaya, 14e, bien joué, bien joué. Et après les autres, j'ai vos numéros, mais j'ai pas vos noms. Ils ne s'affichent pas. Alors 13 bis je suis le 2. Contestante 13. Ah bon Mais comment ça se fait que tu ne peux pas afficher ton nom Merci Shirazaland merci Shira pour le host. C'est trop cool, mais c'est malheureusement la fin du live. Euh, J'ai bien euh, Nibler, troisième, bien joué. Et Christina Vango qui est deuxième. Alors, il faut savoir que vous êtes deux euh, <laughs> à dire que vous êtes deuxième. Il y a un petit problème. C'est moi, je ne parle pas beaucoup des SL. Ah super, Chakalzila bien joué. Bien joué, bien joué. Mais merci euh, pour le pour le host, franchement, c'est trop cool. Et bah, du coup, merci de m'avoir accompagné pendant ce live. Ça a duré bien longtemps, hein, cette fois-ci, 2h40 quasiment. Mais c'était vraiment passionnant, trop intéressant. Euh, J'espère que c'était assez clair ce que j'ai dit. Je me suis pas trop embrouillé, pas trop perdu. La prochaine fois, je ferai un truc beaucoup plus court. Euh, et là, on va faire peut-être un petit raid <coughs> chez quelqu'un qu'on aime bien. Dites-moi si vous avez repéré quelqu'un qui est en... en live et que vous aimez bien. Comme ça, je vais, je vais raider vers cette personne. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un raid, c'est tout simplement quand j'envoie... Du coup, je vous envoie vers un autre live qui a, qui a lieu actuellement. Et si vous voulez retrouver les sources, tout est sur le Trello déjà. Donc voilà, et n'hésitez pas à partager pour les prochaines... Pour les prochaines fois, ça fait toujours plaisir. Alors, je regarde qui... Sur qui on pourrait raider. Mais il n'y a pas grand monde, là. Vous avez des idées Force ou Julien Pagnac. Alors attendez, je regarde qui qui sont ces gens. Projet Soleil, tu dis Julien Pagnac et j'avais vu un autre nom avant. Furieusement intéressant, merci beaucoup, trop cool. C'était nourrissant, trop cool, trop cool, ça fait plaisir de ouf. Nathalie est là pour StudForce. force. C'est une afro gameuse, Andalis. C'est la gauche. Alors attendez. Euh, je, je comprends pas <laughs> totalement qui est qui là. Euh, je, je tape euh, Andalis, on va voir ce qui c'est. <coughs> Qui joue à Borderlands oh, Je vérifie je il quoi un peu. Un jour, j'ai joué un sport, sujet, jeu pour les étudiants. Ah oui, on avait vu tout à l'heure Studforce C'est vrai que ça peut être cool. Reste, ah oui, n'oubliez pas okay, le Tiffy c'est le jeu vrai. Euh, Moi, je travaille. Euh, euh, il y a mecs qui ont fait Il y a un indien qui Voilà, ça a va une C'est vrai Pas à donner un peu de soutien via Tiffy parce que j'ai pas activé les subs pour l'instant sur Twitch. J'ai rien activé en termes de monétisation sur Twitch. Voilà, et il y a dit que je vais me baliser philosophe si le matin, jante, que j'ai trop avec Bah, déjà, je vais je pense. Ah, ouais, c'est vrai. Lui qu'elle joue, j'ai peut-être envoyé plutôt sur les gens parler tous les jours. Parce que. Et du coup, j'ai pris leur accent. Parce que s'ils font un truc pour le soutien aux étudiants. Bah, moi, j'ai une prof d'anglais cette année et elle est indienne, justement. Elle a. Elle a un gros accent, ouais. Bon, on s'y fait, on s'y fait. Merci beaucoup pour. Ouais, j'ai peut-être plutôt envoyé à StudForce s'ils sont en line. Non, ils n'ont pas l'air d'être en live, là, StudForce. On entend double son Histoire crépus j'ai l'impression. Ouais, c'est fort possible. Je suis peut-être en train de regarder des trucs, c'est pour ça. Ah oui. C'est parce que je regardais un autre live en même temps. Bon, bah, j'ai pas trouvé... du Studforce Force, ils sont pas online. Andalis, euh, je peux envoyer à euh, Andalis. Hein. Allez, on va lui faire un raid. Je, je, je... Attends. Nathalie, ah ok, Nathalie en live pour Studforce, Force, je crois. D'accord, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Ali. Ok, 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 je vois. Ah oui, effectivement. Donc, quarante 48 heures pour aider les étudiants. Gertic avec vous. 2500, on achète Dark Skull. Euh, du coup, elle euh, fait un live de 48 heures pour aider les étudiants, si je comprends bien. Bon, bah, je vous envoie, je vous envoie la voir. Euh, puisque vous êtes plusieurs à, à m'avoir parlé de d'elle. Et, euh, et je me suis abonné à, à l'autre. Euh, dont j'ai déjà oublié le nom. À ah, Andalice. Et je vais checker ce qu'elle fait. Et ce sera pour une prochaine fois un hein, raid. Merci en tout cas. Et euh, je parle de débattre en vocal. Ah oui, ça peut être cool de faire des débats vocaux sur le Discord aussi, ça pourrait être trop bien d'organiser ça. On en parlera sur le Discord si vous êtes. Euh, si vous êtes chaud et chaude. Et moi je vais lancer un raid. Nat Ireba. Ali. Boom. lancer le raid. Et... tac. A bientôt sur la chaîne Histoire Crépus. Ciao, ciao, ciao.